1-2, 1-2. Allez, tout de suite, c'est deux des favoris du tournoi qui s'affrontent dès le premier ou second, non, dès le second tour. Et ça annonce du lourd déjà. Alors, on sait qu'ils ont des mains respectifs, mais ils switchent beaucoup de personnages. Wizard. Ah, c'est le Feng. Le Feng contre peut-être le Negan. J'attends un Negan, moi. Personnellement, Negan, je pense qu'il va partir sur Negan la dernière fois. Ah, c'est vrai. Ouais. La dernière fois qu'il a... Voilà, le beau jeu. La Katarina. Personne ne s'y attendait. En fait, il m'en avait parlé de sa Katarina, mais j'étais pas sûr qu'il la sortirait aujourd'hui. Alors, ouais, je peux pas trop divulguer d'informations là-dessus. Je pensais que contre Doussan, il prendrait Negan. C'est la dernière fois, ça lui a bien réussi. Touch of Death, en avril. C'est ça, au Touch of Death, il avait gagné contre lui avec Negan. Non, mais la Katarina, j'en ai parlé avec des histoires de Las Vegas. Voilà, je peux pas trop en dire plus, je pense. Les secrets doivent rester secrets. Et tout de suite, dans le Mishima Dojo, Katarina, alors c'est un personnage qui est très très craint online surtout, mais là on est hors ligne et ses counters sont quand même très menaçants. Elle a des low high crush qui sont pas mauvais, très bon step, ça punit directement, magnifique là. Il cherche à s'approcher Manu, mais c'est compliqué pour lui, voilà. Il envoie les cookie track, les poke mid, la punition magnifique. Voilà, ça continue. Il a bien fait de pas lancer un launcher parce que en général ça rate. Il va loin le campo. Hein. Oh là là, le whiff punish, très bien joué. Bien joué. Très bien joué en plus, il a fait le bon coup pour punir ça. Allez, on va sur lui là. 4B, sa zone. Ouais, ça en va les petits pop de Peter, c'est vraiment du combat de pop. Whiff punish raté malheureusement. Allez là, l'armor. Oh là là, il a raté. Enfin, il a cancel son wave. Dommage, pas de punition. Le low. Finir le down. Allez, l'avantage. Dommage, il a pas de combo potter. Ah, ça aurait tué ça. Oh là là, ça a pas touché. Si ça touche. Ouais, si ça touche. Allez, le bon hitbox, la rageur de Katarina. C'est bien joué de la part de Elix qui a pu voir. Il a un peu volé ce round. Bien joué à lui. Non, il le savait. C'est ce qu'il faut. Là, la situation, il connaît. Je pensais que ça passait en dessous de tous les coups du jeu. Ouais, bah. Je pensais qu'il disparaissait fake quand il faisait le QCF. Ouais, normalement, c'est comme Gucci, là, quand il fait son truc. Ouh, aïe, aïe, aïe. Ah, pas de... Ah, il avait le combo, il l'a raté, hein. Il aurait pu décaler après le launch. Pour aller au mur. C'est pas grave. Oh là là, magnifique, plus dommage. 2, voilà, le beau jeu. Garantie derrière, il reste plus beaucoup de vie à X. On défend. Ah, le F4 du désespoir. Barrière qui finit. Bas 4. Arrière 4, je veux dire. Il a tenté le comeback avec Katarina, c'est qu'il y a un gros potentiel de comeback avec ses gros dégâts en combo avec la Rage Drive notamment. Voilà, DF3 plus voilà. 4, ça continue à envoyer des lots comme ça. Ça va loin, hein. Aïe aïe aïe, le B1 qui sort. Il a vu que casser les jambes, ça marchait bien depuis tout à l'heure, Elix, mais voilà, ça continue à casser les jambes. Ouais. Fuito qui comprend pas la Katarina du Blade. Mais en fait, tu sais qu'il s'est absenté du power-up pour taper sa Katarina en secret. Ah, Katarina qui et finalement pour perdre ce premier match contre Doussan, je pense qu'il y aura un counter pick là. Et oui, ça part directement en sélection des personnages. Allez, faut pas perdre espoir là. On l'a déjà battu Doussan. On sait qu'il est battable. Ah, Rubicante. Rubicante sur le pôle. Magnifique. Je suis d'accord avec toi Rubicante. La Katarina, c'était peut-être pas le meilleur choix, mais bon, hein, il a tenté. Non, il s'est dit que ça pouvait passer bien, ça. Et... Il reste pas sur Sezaki, il reste pas sur Negan. Il sait que Negan c'est fraudulent contre Doussan. Il veut le battre pour de vrai. Mais sa Katarina, c'est que je la vois comme Armor King. Hein. Bah bon, après, ça c'est une autre. C'est autre chose ça. Ouais, moi je vais pas m'avancer, mais. Bon, dans tous les cas, là c'est le Paul. Paul, ça fait trembler un peu n'importe qui, un peu tout le monde. Le meilleur personnage du jeu, le plus fort. Oh. Non, je sais. Le score. Doussan donc. Allez, mal puni, c'est dommage, il a pas voulu prendre le. Oh là là, Manu. Doussan qui prend les devants sur ce premier round. Il met déjà la pression, on est plus frais. Voilà, non. Plus 43, ça fait des hauts. Oh là là, magnifique. Le Phoenix. Ouais, whiff bizarre un peu le caravan. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Ouh. Faudra rapprocher avec des jabs. Il rentre dedans avec des jabs tous les deux. Voilà. Ouais, Kempo Stance. Ça fait mal. Oh, mais ça fait encore plus mal. Allez. Très très bon timing sur le tag roll. Oh, et derrière le mid pour finir. Le meilleur move du jeu à la fin du round 2. Ah oui, clairement, tu te baisses. Ça traque bien. Oh, punition light.
Il a été très gentil à Elix. Ouais, il a quand même l'avantage et ça fait très mal. C'est fait exprès ça. Non, non, H4B de loin. Oh le counter, allez là. Il a un gros combo normalement avec Paul, mais non. Ah, il y avait arrière 1-2 là sur le roll V4. C'est pas grave. DB1-4, on tape dedans, on a pas peur. Ça zone, il ça avait zone. Pas forcément envie de. Jab, Kenpo, F4. De minder la suite. Encore des jabs pour rentrer dedans. Il fait la suite de la string. Ah, c'est bien vu ça. Oh, finir. La balayette. Oh, le 6-4. Et la radar pour finir, hein. C'est bien joué. C'est joli, c'est joli. Allez, un partout. On a marqué une petite hésitation, il s'est dit ouais, je fais la radar, je gaspille ou quoi. Est-ce que le gaspille? Allez, on gaspille. Non, mais ça, voilà, tu vois, faut leur montrer au. Bon, après, c'est un Lyonnais, Elix, mais. Ah, le B1-2 qui aurait touché. Ah, tout ça, non, si, c'est un Lyonnais. Hein. C'est pas grave, faut rester concentré. Petite erreur comme ça, ça arrive. Voilà, Doussain qui a bien compris que pour rentrer dans la garde d'Elix. Et la classique de Doussain, voilà. F4 balayette. Quand tu dashes dedans, tu mets des jabs. Quand t'es en keep out, tu mets des cooldowns, oh et c'est comme là. Ça que ça marche. Magnifique up kick. Ça, c'est un beau Doussain, kick, encore un gros avantage là. Et encore un lot. Barrière 3. Balle de match pour Doussain. Est-ce que Elix va se réveiller, va se reprendre? Ah, ils sont très très bons les lots de Feng. Il a l'air dépité un peu, voilà. Les lots de Feng qui donnent des gros avantages en hit. C'est bon pour la confiance en soi, c'est un petit Deathfist qui rentre en nature. Là de l'autre côté, là on a Elix qui est revenu dans le match, clairement. Ouais, il abandonne rien. C'est un joueur de Paul. C'est jamais fini, Paul. Le BRUF de le Deathfist qui touche. Oh là là, ça fait mal ça, voilà. Est-ce que Doussain va savoir rester solide? Non, inverse. Est-ce que ça va le tilt peut-être? Épaule. Ah là, Elix il envoie là. Il est chaud patate, chaud bouillant. Et oh voilà. Magnifique! Allez, sur sa balle d'égalisation ça, là! Incroyable. Oh dommage, il rate le Elix. Il se fait tout step là! Le pire move du jeu. Un step peut-être pour eux. Oh non, il a pas de dégâts. Là, ça va qui? Ça va le pari! Là, ça va qui? La chope déchopée. Ah, bien vu ça, la chope de dos. D4, t'es plus frame. Ah, on tape dedans. Ah, il a bien eu de la chance, l'Elix sur la chope de dos. Drive, qu'est-ce qui se passe? En plus de déchope. F4-3. Et ça tue. Doussain. Ah, Doussain très bon qui sur les petits mind game des F4. Ah, l'Elix là, il était pas au top de la forme. Donnez rep pour Doussain, mais c'était un match entre deux favoris. Hein. Ouais. C'est dommage qu'ils rencontrent aussitôt, mais c'est la vie. C'est les aléas. Il y a un loser bracket. Elix aura carrément le loser bracket s'il veut remporter la victoire aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Ça se fait. Ouh, Doussain time up page du coup qui se profile. Ah, c'est vraiment à côté de. Une branche de l'arbre avec du level. Ah, c'est sûr, Fuito, les balayettes en step de. Ça rend tout. De Doussain, c'était vraiment bien timé, il s'en est pas fait bloquer une. Ouais, les F4 et tout. Ah, c'était vraiment bien joué. Bien vu là, F4B tout le round, toute la game. Elix avait quasiment le match là. Ah. Ça a un peu glissé à la fin. La remontée, ouais. Ça arrive. Alors, du coup, on a Choji là. Choji contre. Heraldos, ok. Alors. Du coup, Choji, le grand. Il joue beaucoup de persos. Choji, l'étoile montante de l'Overcraft Café. Le tueur de Marseillais. Choji, il faut le rappeler du coup, hier. Qui élimine me first, donc ouais, il m'envoie en loser. Il met la fessée, hein, voilà, il prend Chloé, il comprend rien. Et Choji qui sort pas finalement ses vrais persos contre me first. Peut-être. Ouais. Peut-être qu'il le juge non méritant. Non, je mérite pas. Clairement, je mérite pas. Ouais, peut-être qu'il se dit. On va sortir le pôle là, on tue les scrubs, hein. On va dire, voilà, on a pas peur des mots. Bah ouais, c'est pour les sacs. On tue les sacs, on reste solide en pool, on prend pas de risques. Pas de mind game. Choji joue tout, Choji c'est oui. Le. Oui, Choji c'est le Noctis de la dernière fois, oui. Il joue Noctis de la dernière fois. il joue Jin, il joue Steve, il joue les persos craquettes. Ouais, il joue tous les persos craquettes, hein. Steve, Jin, Paul. Après, il dit. Maintenant il joue l'eau. Ah, il dit non, je joue pas la tierlist. Ouais, il sort Noctis contre Eddie. Aïe. Ah, mais c'est bien, il a raison, c'est comme ça qu'on gagne. Bon, dommage parce que je perds, du coup, voilà. Super patate qui me fait signe, qui va reprendre le microphone. Tu vois, j'ai mal au bras. J'ai mal au bicep, je me suis trop branlé. Ah, changement de bras. Les joueurs qui sont en random select là. Ils veulent pas se faire counter pick. Heraldo sur Gifrost, qui vont-ils jouer? Kazumi. Ah, Choji qui counter pick. Ah, le Steve Choji peut-être. Choji pick, voilà. Après, le problème c'est que Steve, c'est un mauvais match-up contre Kazumi. C'est pas grave, Choji connaît pas les match-up, s'en fout. Il joue avec le cœur, à l'instant.
Parce que Kazumi, elle a un très bon keep out avec ses jabs, avec son Magic 4. Elle a ouais, des meilleurs ouais. points globalement. Elle peut vraiment le maintenir à, au corps à corps. Elle est, c'est vraiment dur de deal avec, enfin de gérer Kazumi avec un Steve. Chelus, c'est pas un joueur comme ça, un joueur insouciant. Il a une idée en tête, il a un plan. Quand il sort Noctis, c'est pour une raison. Quand il sort Pulse, pour une raison. Elle a vraiment tout ce qu'il faut pour battre Steve. Après, Steve, quand même, c'est quand même un des meilleurs persos du jeu. Peut-être le meilleur perso du jeu, on sait pas. Le meilleur perso du jeu, pour moi, invincible. Hein. Il y a moyen, mais bon. C'est, non, ça, après ça, ça, ouais, voilà. Ça se débat, débat, voilà, ça se débat, mais bon, toute dans tous journée, les cas. Tout le monde est d'accord pour dire que Steve, c'est au moins top 5. Et voilà, du coup, on est lancé. Ça poke. Et les matchups dans Tekken, on sait tous qu'il n'y a pas vraiment de matchup vraiment impossible à jouer, ça n'existe pas. Sauf voilà, le dernier coup qui touche. Shoji. Sauf finalement, il dit contre Noctis. Non, le seul matchup impossible à jouer, c'est. C'est Brian contre Ascal. Non, c'est pas Marquis contre Paul. Ah ouais. Il est trop invisible pour le genre de Paul. Non, c'est l'inverse. C'est Duffy, c'est un bon. Ah, Shoji qui prend un round très rapidement là. Oh là là, le match. Ça rigole pas. Non, il fait pas le. On a pas besoin, c'est pas Marseille ici. Il fait pas l'optimisation là. Non, mais nous on est pas là pour s'appêter, on est là pour gagner. 1, 2. Petite punition, c'est gentil. Limite, DF1. Et voilà, donc il peut pas taper derrière l'arrière 2. DF1, tu bouges pas, c'est mon tour après ton DF1. Derrière l'anti-step aussi, il peut pas bouger, c'est compliqué, hein. Il a pas grand chose à faire. Shoji qui regarde, qui joue. Shoji le grand favori un peu du match. Punition un peu gentille, elle est un peu mignonne. Ouais, mais ça finit, voilà la suite. C'est bien ça. Il confirme pas derrière, hein. Il a 20 coups garantis, c'est pas grave. Shoji qui reprend l'avantage. Oh là là, ça fait mal. Mike Tyson. Oh là là, allez, le dunk sur le 4-4, c'est beau ça. Allez, 1-2, comme j'ai dit, c'est son meilleur outil contre Steve, hein, c'est jab. C'est pas grave, on bloque, il va rien se passer. On a pas vu de DB4 depuis le début du round là, de la part de Kazumi. Oh dommage, il s'est baissé. Ah, Kazumi qui fait pas de l'eau là. Peut-être qu'il faudrait aller chercher les jambes un peu. Ah, faut pas parler en même temps, excusez les gars, son premier jour. Moi je voulais jouer mais on m'a forcé à prendre le microphone. Parce qu'ils me disent que je fais trop de freeplay, je prends tous les postes et tout. Je devais trop le tournage, j'ai plus le droit. À la base, Max il méritait pas de parler, mais je lui ai dit ça va, tu peux. Bah. Ouais, normalement je suis banni du tournoi, j'ai plus le droit de venir. Mais bon, pour cette fois, on le pardonne parce que Shoji est en train de gagner, voilà. C'est pas une punition, mais comme je l'ai dit, les jabs, c'est la vie contre Steve. 1-2. Oh, non, dommage, c'est la bonne. Non, c'est 14. Oh, le B1. Dash B1 pour réajuste. Il savait, il avait vu, ça step bouton. Dash B1. C'était 14, c'est dommage. Oh là là. Voilà. Il a pas puni, il avait peur de la suite, hein. Running 2, Kiwi. Bon, Shoji qui backdash au mur, hein. École de Day Gamer. On est chez Ben ici. Voilà, pas de duck. Voilà, maintenant il dash dedans. Hein. À la Fuxang. Fuxang il aime bien faire ça. C'est bon là, ça met la pression. Il montre qu'il peut être solide. Défense, attaque, il a tout. Encore un smasher. Ah, c'est beau. Tail spin, magnifique. Ça ramène à l'autre mur. Ouais, ça tue, non. Et Allo Kizem, ça tue, ah, c'est magnifique. Joli. Allez, la Kazumi qui va peut-être prendre un round, on l'espère. Bah, Shoji derrière, il laisse pas trop de répit, hein. Ah, mais comme j'ai dit, la clé du matchup, c'est les low high crush, c'est les jabs. Ah, ils sortent pas trop là. Les DFA, c'est plus dur à faire. Oh là là, ça a cassé le mur. Allez, fais-moi un gros combo là, s'il te plaît, fais-moi un gros combo. Est-ce que ça tue? Il peut encore test spin derrière. Oh là là, on casse le balcon. Non, il aurait pu tuer. C'est pas grave, on s'en fout. Il aurait pu tuer là. Alors, reste focus, on prend le round. Derrière, il est quand même gros avantage, 20 points. Oh la rage drive, c'est un mid bar qui part ça. Voilà le mid bar. Je suis sur PS4 en effet. Non, il s'est pas fait. Le 3-2 qui. C'est pas fini. Il touche en premier, c'est lui. C'est la Kazumi qui va choper. C'est beau ça, c'est beau jeu. Il va choper ce clutch moment. Joli. Ah, Shoji énervé. Shoji qui. Il envoie tous les counters. Il envoie toutes les phases counters. Derrière, 1-1-2. Ça envoie encore les jabs. Voilà, c'est sûr. Les jabs, comme je l'ai dit, c'est ça qui est bon. Il s'est baissé, c'est bien joué. Joli. DF1 à l'armure. Ah, c'est 4 cartes général, il a pu faire le gros combo. Joli. Il n'y a pas besoin de faire un gros combo là, c'est fini. Allez, ouais, FF2. Il veut faire le beau gosse. Et dans un temps, il va partir là. Ah non. Malheureusement, il a pas le temps. Il va impressionner son héros Fuxang, son maître.
Jolie match là, de la part de Choji Prost, un des favoris du tournoi. Clairement, hein, Choji qui est un très bon joueur et qui va avancer dans le winner bracket. Il fera pas la même erreur qu'Elix, hein, c'est-à-dire perdre au début. Voilà, perdre sa première game au final, l'Elix. Les Parisiens viennent à Londres, ils perdent. Sa première game ? Ouais. Mi first aussi, on peut. Faut le rappeler, mi first hier, perd au tournoi. C'est vrai, j'ai perdu tôt. Contre Choji au bout d'un moment. Ensuite, on va encore passer sur un autre match de Doosan. Ce sera Doosan contre Time Up. Ah, beau match ça. On sait que Time Up, c'est un des meilleurs joueurs lyonnais. En ce moment, il a gagné pas mal de tournois à Lyon. Il est plutôt OP. Ouais, il gagne très souvent. Il a gagné le dernier ranking, hein, il remet son titre en jeu. Dernier ranking, il a pas gagné, c'est. Ah, c'est Time Up qui a gagné, ouais, celui que j'ai cru, t'as dit. C'est ça, ouais. Je me souviens, j'ai vu la notification et j'ai dit, ouais, je vais venir te bourrer. Time Up qui gagne le dernier ranking contre Max en 60 secondes. Mais super voilà, perfect. Derrière, on a Doosan quand même, c'est du lourd. Doosan, c'est du lourd. Et Feng, je sais que Feng, ça se débrouille bien contre Warang. Ça, c'est le classico, ça. C'est tous les deux semaines à le Warcraft Café. Désolé, là, c'est leur webcam. Bien sûr, les webcams online, on adore. Ils sont à côté, mais ils jouent en ligne, hein, c'est pour le fun. Hein. On aime bien avoir un peu de lag alors qu'on est l'un à côté de l'autre, c'est toujours super sympathique à prendre. Ça rajoute de la difficulté et les joueurs adorent ça. Choji, peut-être tu veux commenter ? Et pour répondre sérieusement, non, Kicking Machine, ceci est un tournoi offline. C'est le ranking la dose. Yo, salut Kicking Machine. Allez. Salut tout le monde, Uber. Est-ce que ce sera Master Raven ? Est-ce que ce sera Ayashi ? Est-ce que ce sera... Waring. Non, ce sera Raven... Harang. Lucky Chloé, allez, il a annoncé une Lucky Chloé là. Il faut tenir parole. Ah, Lisa Mi First, un autre match qui s'approche. Hein. Ensuite, Max Lisa. Non, Lisa contre moi. Oh là là, j'ai pas envie. Le run back d'hier. J'ai pas envie. Je vais attendre un peu à la fin de ce match là. Je vais commencer à commenter tranquillement. Je vais retarder mon match parce que j'ai pas envie de perdre tout de suite. En fait. Le gagnant finalement qui affronte le gagnant de. On sait pas qui. Mais pour l'instant, c'est Doosan contre Time Up. Manu bah, il jouera contre le gagnant de Keeper Lisa. Hein. Keeper. Keeper Mi First Lisa. Ok, du coup, changement de commentateur. Tu dois bouger ? Ouais, je dois bouger, je dois jouer mon match. Ah, toi, tu dois jouer ton match ? Attends, comment tu commentes ? C'est un beau match. Allez, let's go ! Allez, barre des dégâts déjà égalisés. 10 secondes de jeu passé, ça se poke, ça se regarde, ça essaye de rentrer. Hein. Voilà les bons dashs en avant, il bloque quand même, hein, il bloque quand même le lot, pas de punition. Dans ces phases de jeu, c'est assez compliqué de lancer une punition. T'es surtout concentré sur le spacing, t'es concentré sur l'erreur adverse. Et un petit lot bloqué sur un backdash, c'est assez compliqué à voir. Magnifique, la counter, c'est la spécialité de Tissumon ce coup. Par contre, le combo, c'est pas celui de Tissumon, mais derrière, ça va garantir le kill avec la balayette en crouch. Ah, magnifique le counter hit. Le Magic 4. Ça ramène au mur. Hey. Allez, bon dégâts, Master Raven, quand même. Derrière un mix, il a pas voulu faire le mix. Voilà, Time Up par contre qui whiff beaucoup là. Heureusement, Doosan n'est pas encore dans son match. Oh là là, il a pas pris de counter, du coup il a pu se baisser, c'est magnifique. Et ça se termine sur un petit lot, allez, troisième round. Est-ce que Paxo va se réveiller? Le petit Time Up là. Il a le lead maintenant. Oh là là. Le combo est pas confirmé. Ça fait les The Phantom là. Il veut se balader un peu avec sa Master Raven. Il fait des chinoiseries un peu. C'est puni assez gentiment derrière la shop qui est pas déchopée par Doosan. Encore. C'est l'air d'être des réactions hein, parce qu'il les bloque vraiment bien. Est-ce que c'est possible de se bloquer en réaction? Je pense que oui. Ok, c'est puni gentiment encore une fois. Ah, il s'est baissé mais derrière ça n'a pas assuré. Attention, la Time Up. Time Up qui est sur le point de perdre son premier match. Encore bloqué. Non. Vraiment, il a 100% de réussite de sur le blocage de cette balayette. Le barrière 4.
de Maître Corbeau. Voilà, Lolo derrière. Il fait pas la suite, bien sûr. Ça passe un goûteur. La Rage Drive de, j'allais dire de Tissumon, mais dans de Master Raven qui passe pas. Et de l'autre côté, on a un premier match sécurisé par Doussan. Doussan qui est bien en forme là. Il a déjà sorti Elix qui est un des favoris. Sachant que les favoris du tournoi là, on a vu déjà 4 sur les 6 peut-être. Sur les 6-7. Oh là là, magnifique. Ça vient de récupérer avec le panic move. À côté, ça met des setups. Non, il relève pas, il a bien fait. Mais quand même, gros avantage au point de vie pour Doussan qui va encore sécuriser un round. Ah, il est proche de la victoire. Plus que 2 rounds pour lui. Oh là là, un 2-2, c'est dommage. Pas de combo là, il a raté beaucoup de combos, Doussan. Mais là, Time Up qui laisse clairement jouer son jeu. Et contre Master Raven, si tu la laisses prendre des décisions, tu vas te trouver dans des situations assez compliquées. Parce que le perso est très très fort pour mixer. Voilà, magnifique step à gauche. Launch. Derrière, il a pas le combo complet. C'est pas grave. Ça fait beaucoup de dégâts. Il a l'avantage au point de vie. Mais de l'autre côté, Doussan qui va choper. Et on est reparti à égalité sur ce round. Ils arrivent tous les deux pas à rentrer. Mais le whiff finish, magnifique. Il rate encore son combo. Allez, il a un lot de la victoire là. Et c'est le pop mid là qui va finir sa punition en 13. Allez, le coup de zoning, ça fait mal. Oui, le power crush. Et là, il a pris un gros avantage là, time up. L'autre côté, on a vu Doussan qui a fait plusieurs comebacks depuis tout à l'heure. Oh, le backlash, c'est fini. Allez, récupère un round. Il peut remonter la time up, la 6 réveille. Je rappelle, c'est du FT2. Hein. S'il perd ce match, c'est fini pour Paxo. Allez, DF2, magnifique. Il a chopé le timing, le cutter. Il peut mettre le wall combo complet, non? Il peut pas là. Là, des chops. C'est bien joué de la part de Doussan. Et derrière, c'est tout garanti. Ah, Doussan, il commence à paniquer là. Il a peur de gagner. Faut que. Oh, c'est plus punissable que ça, c'est pas grave. Il a tenté de punir. Un time up là qui a un coup de la défaite. Et voilà, Doussan qui s'impose 2-0. C'est un classico lyonnais ça, ce match. Et Doussan qui a l'air vraiment bien en forme là. Il a sorti déjà Elix en winner. Et maintenant time up en winner encore. Il se dirige vers la finale, winner. Du coup, prochain match, je ne pourrai pas le commenter. Ce sera donc moi-même contre Lisa. Et je laisse le commentary ici à mon ami. Bonjour à tous, ici tout bon pour prendre la place de Me First pour commenter son propre match contre Lisa. Allez, j'ai pas de Twitter. Tu peux mettre at no Twitter. Ou at j'ai pas Twitter. Oui, c'est comme ça, pardon. Ouais. Alors on est parti, les deux joueurs s'installent tranquillement. Il fait super chaud ici. Ça fait plaisir. Ouais, bon bah il fait super chaud certes, mais on a quand même une grosse clim parce que comparé à l'extérieur avec les petits 38 degrés. Oui, on est bien quand même. Ouais, non, on est pas mal. Mais bon, quand on joue, c'est autre chose. Ah bah oui, toujours. Après, on a une quarantaine de personnes, des bornes d'arcade de partout, des consoles, des écrans. Ah oui, c'est la folie. Une grosse chaleur, mais aussi du gros niveau. Ah oui, tout à fait, parce que là, il y a beaucoup de monde sur Tekken. Je crois que j'ai jamais vu autant de monde depuis longtemps. Et ça fait super plaisir. Tout ça grâce à Clem qui a motivé des Marseillais, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors je sais qu'on a des personnes qui sont venues tout droit de Marseille. Donc ils ont refusé la mer, ils ont refusé justement ce petit vent marin pour pouvoir s'enjailler avec nous.
C'est du gros niveau. Moi, je me suis fait éclater direct, hein, je t'avoue. Moi, j'ai perdu direct, hein, je t'avoue. Je suis déjà Loser. Ouais, ça arrive. Ouais. Moi, j'ai en fait, j'ai jamais perdu pour l'instant parce que j'ai le meilleur mind. Je ne m'inscris pas. Ah, c'est bien ça aussi. Ouais, c'est une bonne stratégie. C'est vrai, quand on est à la régie, c'est des fois assez compliqué de jouer en même temps. Ouais. Mais tu connais un peu Tekken ? Absolument pas. Enfin, allez, Tekken 2. Je suis arrêté à Tekken 2 plus ou moins. C'est, ah oui, d'accord. Et je vois d'ailleurs que le modèle de Paul en fait n'a pas changé depuis Tekken 2. Ah non, c'est. Non, autant les autres joueurs, les autres personnages, ils sont sympas, ils sont cool. Autant Paul, j'ai l'impression qu'ils ont les mêmes polygones depuis 5-6 ans quoi. Et je pense que c'est vrai. Et je pense que c'est un parti pris des développeurs de laisser Paul un peu moche. On va se lever. Quoi ? Ah oui. Alors ce sera Shaoyu contre Lucky Chloé. Des personnages redoutables. Et donc je vous laisse avec le vrai commentateur de ce match. Allez, go. Je connais pas trop vous. De quoi ? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Alors ça va être le combat du schnapps hein. Entre Shaoyu. Lucky, ça a volé dans tous les sens. Des chorégraphies. Allez, c'est parti. Allez, tout de suite, ça va chercher. Hey. Allez, bon damage de Lucky Chloé. La pression. Ah voilà, et ça c'est particulier à Shaoyu. Plein de trucs dans le dos. Ce sera peut-être pas la meilleure chope à utiliser contre elle, mais là je pense que c'est la mort. Oh, et le combo qui rate et finit par la rage. Art, c'est bien joué. Lisa qui prend le premier round. Ouais, très bien joué. Bravo Lisa. Hey, ça se cherche. La chope bien déchopée. Oh, le counter hit qui passe. Hop, on est au mur maintenant. Oh, c'est la fête. Hey. Waouh. C'est très bien joué ça pour la fin. Allez, ça roule dans tous les sens, ça chope. Hey. Oh, ça fait. C'est quand même bien mal tout ça. Wouah, ça passe ça? Ah bah je connais pas du tout ces personnages. Je suis très distant, mais Lisa qui s'impose. Peut-être que Leafers connaît pas très bien Shaoyu, je sais pas. Moi je suis. Un gros nord à un round en effet. Le chat qui est totalement chaud. Ça fait plaisir. Allez, c'est reparti. Garde le même perso, même stage. Oh, le beau counter qui est trouvé. Ça va faire bien mal le mur tout de suite. Shaoyu qui roule dans tous les sens, qui se baisse et qui cherche, qui trouve des counter hits. Bon damage en plus. Et là c'est bien mieux engagé que tout à l'heure. Voilà Mifas qui arrive à remettre au sol. Il respecte beaucoup plus. Il a tout à fait raison. Allez, comment ça va se terminer? Lisa qui a l'avantage de la rage. Allez, deux joueurs sont en rage maintenant. On peut arriver. La pression. Ça mène à rien. Le timer. Est-ce qu'il va jouer? Oh, joli optique. Très très joli. Il a été très patient. Ça a payé. C'est bien joué. Oh, le side step qui mène à rien. Ah, dommage. Il a essayé de side step. Il s'est fait catch. Et là, le mur tout de suite. En plus, il essaie de se relever direct. Relever fantasy qui ne passe pas. Le mur, ça pardonne pas. Hein.
Oh, c'est joli. Ce move qui fait vraiment le café. Hey, hey, la mise au sol. Oh. Vraiment bien joué. Prends sa revanche sur hier. Est-ce qu'on aura encore un no round round? Et ça roule, et ça roule. C'est vraiment la bataille de waifu. Hein. Je sais pas qui vous préférez, moi je suis côté Team Shaoyu. Hein. Hey, hey, le mur. Ça met la pression. Allez. Oh, c'est tellement serré. Allez, poke, poke, poke. Voilà, pour revenir au basi. Oh, c'est serré. Et le hop qui passe pas, c'est dommage. Ouais, ça a roulé, ça a roulé, on comprend rien. Et je t'embrouille. Wouah, qu'est-ce que c'était que cette phase? Ça passe, ça fait trop mal. Et c'est la mort en plus, c'est bien joué. C'est bien joué. Il égalise. Lee First qui égalise sur ce deuxième match. Bien ressaisi. Ouais. Ouais. Je viens direct après. Ouais. Allez, moi je dois faire mes matchs pourvu qu'il se tue très vite. Hey, 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 le mur. Ah, il s'en sort bien. Oh, ce hop kick du futur. C'était quoi ça? Non. Non. What the fuck? Oh, c'était vraiment n'importe quoi. Et franchement, je suis incapable de dire qui est-ce qui va gagner ce match. C'est très 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 serré. Hey, 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 hey. Toujours tout de suite quoi. Sur cette map, le moindre coup, le moindre launcher et c'est direct au mur. Ça fait peur avec ces deux personnages qui vont essayer de t'embrouiller. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ces personnages quoi? Ça se fait dos. La mise au sol. Oh, c'est bien joué. C'est venu la chercher à la relever. Oh, le reset. La mise. Oh, le spike sur le mur. Oh là là, tous ces pokes. On a tellement pas envie de se baisser au mur. Bon, c'est bien trouvé le counter hit, ça fait bien mal. Oh, c'est bien joué ça. Est-ce que c'est... non, ça tue pas. Oh, le timing parfait au sol, plus de vie. Oh, le ralenti. Et ça qui charge et voilà. Mais c'est pas fini hein. Allez, on sait, ça tourne le dos, ça fait des double hits. C'est tellement serré. C'est combo? Non, il a raté. Wouah, c'est dur à voir ça. Ouais, c'est bien joué. Deux partout, dernier round. Quel hype, qu'est-ce que c'est serré? Et les insultes fusent dans le chat. Oh, la chope encore. Oh là là, est-ce que ça va être terminant? Oh, les dégâts sont insane et le mur. Et c'est bien joué, bravo à Me First. Très très beau match. C'était vraiment serré. Magnifique, on aime. Vraiment très beau.
très beau match. Qu'est-ce que t'en penses, la régie qui sert rien au jeu? Bah, c'était un très beau match. Vraiment, bah, pas mal de rebondissements. On a vu des joueurs qui ont un niveau quand même assez similaire, assez haut, qui maîtrisent bien le personnage. Tout bon, merci beaucoup pour ce commentaire. Je vais te laisser jouer ton match. Et c'était un plaisir. De ce fait, nous allons prendre 5 minutes de pause avant la suite du tournoi. Allez, à plus.
Bonjour à tous, rebonjour okay, à tous. Ok, et on est là. En compagnie de Me First. Ouais. Du coup, bien joué à moi, j'ai gagné mon match. Hein. Je suis en demi-winner. Il y a Poyo contre Max maintenant. Et Poyo oui. Max. On vient d'apprendre Flash News. Mon bro Elix qui vient de sortir du tournoi. Poyo Max. Il a donné tout ce qu'il avait, mais. Avec Max P1. Bushin a pris le dessus. Poyo, il joue qui? Poyo, je sais pas du tu tout. Tu veux commenter, Elix? Mais si tu veux, tu peux commenter. Genre. Allez, on a le bro Elix au commentary. Bonjour, c'est moi, Elix. El Saco. Du coup, c'est bon, il a dit j'arrête de jouer à Tekken, je me mets au commentary maintenant. Je suis mort, moi. Non, mais c'est fini. C'est fini. Il est passé ce match. Il y a eu 2-0 pour Bushin. Bushin Ryu. Comment? Ouais, c'est un favori qui est out. On voit ses cernes. Bah disons que j'ai passé une très bonne nuit, j'ai dormi au moins 3 heures et j'ai pris le train ce matin, voilà. Non, quand même t'as des cernes incroyables, hein. Je sais pas s'il voit, merci. Mais non, il voit pas. Mais t'as des cernes incroyables, bro. Moi aussi je pense, hein, non? Non? Je crois que moi aussi. Ah oui, toi. Ouais. Après c'est chronique maintenant, hein, depuis... j'ai tellement accumulé, genre... Non, non, ouais. On n'y peut plus rien maintenant. Non, c'est fini, c'est fini. Une partie de toi. Poyo contre Max. T'as de la chance, ils ont pas entendu ta blague, c'est cool. T'as aucune honte. Normalement, c'est Poyo Max. Poyo Max. Ah, le gagnant, il m'affronte en plus. Ah, Max, il va payer hein, s'il gagne. Ah, il va payer pour ses mots d'hier. Moi je le dis, il y a de la rancune là. Il m'a dit comment ça tu perds contre Shoji. Je fais. Bah il est fort Shoji. Il m'a dit t'es qu'un sac, tu perds contre Shoji, le mec il est parti. Genre quand même ça va, je suis remonté en grande finale, tu vois. Après c'est Lisa qui m'a tapé, bon. C'est la vie, Lisa, elle est forte aussi, genre c'est la... Ouais je l'ai retapé derrière. Mais j'ai gagné 2-1, il a gagné 2-1. Ah non mais j'ai pas... Ah 2-1 pour moi là, 2-1. Ouais c'était chaud hein ouais, premier match, j'étais dodo chaud, hein. Elle m'a forcé à me réveiller quand même hein, elle, là, si tu restes endormi contre elle, t'as perdu, vraiment. Franchement elle est nouvelle dans la communauté mais elle joue très très bien. Franchement elle affiche un très très bon niveau. Et c'est très agréable de l'avoir joué. Je vais te trouver choqué, Lix. Bah, viens me trouver, je t'en prie. Hein. Moi, j'attends que ça, que tu viennes en off, Rubicante. Ah, apparemment, Rubicante, il m'a dit je veux venir à Marseille le 14 juillet, donc tu seras là. Si. Ah non, Lix, c'est pas là, toi. Mais moi, je peux pas. C'est vrai, tu travailles. Tu as le travail aussi. T'as vu, le mec, okay. Il vient te voir en off et toi, tu viens pas. Bah, ouais, mais bon. C'est toi qui te défiles au final. Hein. Bah, non. Moi, je viens à tous les offres. Il vient au seul truc où je viens pas, tu vois. C'est lui. C'est lui. Après, tu sais que Rubicon, si tu me bats FT5 au dojo, tu seras la meilleure Lucky Clouet d'Europe. Hein. J'arrive pas à lire le chat en fait. C'est important, hein, c'est important, on peut le dire. C'est ce qu'il faut dire quand même. Elix, tu rentres pas chez toi si tu. Poyo Max de suite. Il nous faudrait Poyo sur la falaise, comme l'a dit notre ami Super Patate. Non, mais non, c'est bien, c'est la faute en fait. Bah oui, ça. Ah bah je vais pas rentrer chez moi du coup parce que je suis out en fait. Bah il est déjà out en fait, ouais, c'est compliqué. Donc ça va être compliqué de gagner. Hein. Il veut bien gagner tu vois, y'a pas de soucis. Il fait un beau score 1-2. Voilà. 1-2 quand même c'est pas 0-2. Bah j'ai sauvé l'honneur. Moi j'ai dit j'allais faire 0-2, j'ai fait 2-0 pour l'instant. Je pense que je vais m'arrêter là, je suis assez bien là. Là je suis content de ma perf. Mais je sentais que ça allait mal se passer aujourd'hui. Bah en vrai si je perds maintenant je peux aller dormir un peu avant le tournoi online. Donc je sais pas si c'est un bon bac tu vois. Au final. Bah... De quoi? Je sais pas si y a un loser ou pas, mais on est. C'est un top 4. C'est un top 4 donc y'a pas beaucoup de matchs à jouer quoi qu'il arrive, j'ai pas envie de compter parce que je suis pas un très bon compteur.
Donc au pire tu fais 3 parties. Tu ouais, c'est un truc comme ça. Et tu gagnes. Voilà. Non, au pire, je fais 2 matchs. Genre, si je fais 0-2, je fais 2 matchs. Ouais, c'est ça. Au pire, je fais 2 matchs. Au pire, tu fais 3 matchs. Le plus grand nombre de matchs possible. Ah ouais, ah ok, d'accord. Au pire, c'est ça, ok. Bon, moi, le pire, c'est de perdre. Ah. On n'a pas le même pire, alors. Non, mais c'est... On parlait en nombre de matchs. Ah, ok, oui, non, mais... Ah, donc là, on a... Ah, j'ai cru qu'il avait pick Guise, notre ami Max. Mais tout va bien. Ah, ouais. On est sauvés. Allez, Mishima Dojo, c'est un match à domicile pour le. Pour le genre de. Il y a un genre de Mishima là, j'ai pas rêvé. Ouais. C'est quoi les pseudos là du coup? Poyo contre Max. Poyo contre Max. Il joue Mishima, Poyo? Ah, il joue Jin. Ouais, c'est presque Mishima, c'est. Ah, c'est. C'est Mishima, mais ça va. C'est un bon personnage en tout cas. C'est genre Mishima, mais j'ai les avantages des Mishima et de tous les autres persos du jeu. Ah, c'est... Bon, il a quelques outils, Jin. Il a quelques. Ouais. Il est sympathique, quoi. Mais ouais, Claudio, il a un hockey quand même. Donc, c'est un perso équilibré, Jin. Allez, ça commence. Ah, le hockey qui passe, la nature. Mais je vois que Max, c'est un joueur, il joue vraiment les persos, les bons persos, tu vois. Il jouait Chloé, il jouait Paul. Ouais, là, il joue Claudio. Je l'ai abandonné Paul parce que sa manette est nouvelle, il peut pas faire les quarts de cercle. Bah, il a abandonné Chloé à cause des combos qui chargent, hein. C'est compliqué, hein. Faut appuyer sur qui charge et tout, genre. Toujours, c'est chaud. Là, le match est en avantage de Max, là. Allez, hop, c'est le mur. Petit combo mur. Ah, il a chargé son. Oh là là, Max qui domine complètement. Star le match. Ouais, merci. Oh wow, c'est coréen ça. Ah, pas de combo. Mais attendez, c'est Max ou c'est Breadman qui joue là? Parce que là, ça a l'impression, j'ai l'impression que c'est la Corée là. Pas de déchop. Pas de déchop, ouais. C'est la Corée française, hein, y a pas de déchop. tu fais des wave dash ou tu fais des steps, mais tu déchopes pas. La garde c'est arrière. Je prends le deux qui passe. Jin commence à se défendre. Il échappe, hein. Attention. Ah, c'est fini. C'est confirmé. Eh bien joué. Bien joué. Max expéditif. Bien joué de la part de Max. Je rappelle qu'on est en quart de finale winner. Le gagnant jouera contre Mephirst le Magnifique. Sponsor par Keeper. Car winner. Voilà le hop qui passe encore. Da là le mur. Da. Ah, dommage. Oh là là, encore un counter. F3. Ah, il a voulu taper, c'est dommage. Très très bon timing sur les counter hit là, le petit Max. Hein. Il se débrouille pas mal, il a pris de son sensei, Mephirst. Oh. Beau duck, mais dommage, pas de punition. Hop kick, bon. Pas puni. Bon, le hop-kick peut pas passer tout le temps, mais s'il punit pas, c'est gratuit. Oh là là, DF1 4-4. Il a fait la suite, mais il a pas osé faire le combo. Hein. Oh, relevé de... Beau duck. D'accord, pourquoi pas. Oh là, dommage. Toujours pas des shops. C'est un petit générique là. Oh non, c'est pas comme ça qu'on punit. Selon les personnages, ça change, hein, c'est compliqué. C'est pas toujours moins 14. Oh là là, de dos. Bien joué. Et bel coup garanti, même de dos. Il connaît ses options. Max qui domine complètement le match pour l'instant. Ah, c'est du no round brown. Ah oui. No round brown. Joue pas de round pour Poyo. Il faut se ressaisir. Beau pari. Bien joué. Même si on a Lyon, c'était un beau pari quand même. Ah ouais. Trois personnes arrivent à ma blague. Peut-être que c'était pas drôle justement. Ah, la punie gentille. Voilà. Et voilà le premier round pris par Poyo. C'est l'heure du comeback. Il s'est pas fait de bon. Oh non, dommage. Belle défense, belle relevé, défense. Relevé, on a dû relever deux, c'est pas grave. Il a l'avantage quand même. Non. Magnifique. With punish, c'était stylé. Hein. Sur le F4 en plus. Hein. Oh, c'est dommage, ça se punit ça. C'est dommage. Il a bloqué le premier, il a bloqué le deuxième, DF1 4. Oh là là, relevé encore. Avantage Poyo, légère avantage, rien n'est joué.
Il se cherche, il se cherche. Oh. Beau duck. Oh! La balayette qui passe. Non, dommage. Et voilà. Pas d'électrique côté gauche. Ah, genre, dans le chat, ça dit ça. Moi, je pense que c'est faux. Vous êtes des mauvaises langues. Bien joué à Max. C'est vraiment mauvaise langue, les gars. Oui, c'est bien défendu sur la fin. Il a fin, pas fait d'électrique en côté gauche parce qu'il voulait pas, c'est tout. Pas parce qu'il pouvait pas. Jody Frost contre Dosan. Eh oui. Le Lyonnais qui a son pseudo en hommage à Baek Dosan qui nous a quitté trop jeune. Il a annoncé. Sérieux? T'as vu? Ah là 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 là. Je suis sûrement, je fais bien le mec étonné. Ah ouais? Attention monsieur, attention. Voilà. On prend la chaise de Super Padel parce qu'elle était un peu plus confortable. C'est important. Faites des bisous aux potes. Ok, je fais des bisous aux potes, mon pote. Tu es la vie dure. Eh ben oui, la vie est dure. Putain, mais mes jeux de mots sont vraiment nazes. Hein. Allez, allez. Et quel personnage vont-ils prendre? Fengwei. Non, c'est pas Alissa. On n'y croit pas. Noctis. Non, c'est le Jin. Le perso craqué, ça joue la tier list. Est-ce qu'il va jouer la tier list ou pas? Yashi, allez, on sait pas trop. Lui-même, il sait pas trop. On va gagner. Aïe. Choisis Frost. Ah ouais, c'est Jin qui a choisi. Il a cédé à la tier list. Et du coup, c'est le demi-final winner, ça, non? On est déjà en demi-winner, ouais. Y'a pas la vie dure, du coup, il est pas là aujourd'hui, il est absent. La vie dure n'est pas là, ouais, c'est dommage. Hein. Je voulais le voir, hein, je veux que ce soit mon meilleur bro. Ah, c'est un bon pote. Franchement, il aurait pu être mon meilleur bro, tu vois. Genre vraiment mon meilleur bro. Bah, du coup, c'est moi. Ok, ouais. C'est bon alors. Comment ça? Ok, ouais. Pas beaucoup d'enthousiasme. Ouais, t'es un peu la roue de secours, tu vois. Genre. Ok, ouais, ok. Non, mais c'est bon, bah, mon cœur est brisé, tu vois. Pas de soucis, tu joues plus Chloé. Mon anniversaire, toi, c'est bon, c'est plus mon anniversaire. Oh, tu joues plus Chloé, me parle pas. Bien sûr que je joue Chloé. Les gars qui peuvent pas me parler, c'est les gens qui jouent plus Chloé et les gens qui jouent Jin. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ah, Feng fait bien la pression là, Dosan. L'électrique qui trail. Dosan qui a déjà pris le mid-bar, c'est pas puni, c'est pas grave. Le 4, ça empêche tout step, ça empêche tout mouvement. Ah, le 4 de Jin, vraiment. C'est un peu le même qu'Alissa, hein. Voilà. Et la chape pas déchopée, hein. Alissa, Elisa, Jin, c'est un peu la même merde, hein. Mais bon. Oh waouh, ok. Ouais, il a fait le petit pari comme ça là, hop là. Hey. Drrr, ah, je suis pas là. Enlever 4. Dommage, j'étais dos au mur. Ouais, enlever 4 au mur. Dosan qui essaie de reprendre du terrain. Et voilà, il a récupéré, il a réussi à se taper avec son coup. Évasif. Mais de l'autre côté, le hop kick de Shoji Frost va peut-être ramener au mur, ramène pas au mur, non. Il a rien de garanti, FF2. Encore, mais il a raté cette fois-ci. Chop pas déchopé. Dosan qui profite beaucoup là de ses lacunes en déchoppe. Il a l'avantage derrière. Oh non, le pari. Joli. Dosan, j'ai remarqué qu'il a pas trop peur d'utiliser des B3. Non, clairement pas, hein. C'est un très très bon coup. Ouais, il est vraiment chaud avec. C'est pas le souvent en fait, c'est bien. Il le met bien. Enlever deux, fini. Oh là là, le coup évasif encore une fois. Il met la pression devant le mur là. Il sort du mur, il veut pas le laisser sortir du mur et c'est le coup de peur. Ça tuera pas. Et là, avec le Kizem. Ah, Dosan qui essaie de faire bourrer le Shoji là, en ouf. Avec beaucoup de tempo, d'évasion. Ah oui, c'est dur à gérer. Et là, relevé 2, c'est magnifique. Relevé 2 en 14. Il fait un combo sympa, mais il a raté le dash. Magnifique, je sais pas, mais. Allez, y'a pas de duck sur ça, c'est dommage. Qu'est-ce qui va se passer? FF2 encore au mur. Oh, il a bloqué, et il savait, hein. Il savait depuis le début.
Oh là là. Encore. Shoji Frost, voilà. Shoji qui met les bons paris au bon moment, c'est chaud chaud chaud. Final round du premier match. L'espoir lyonnais catégorie poussin du coup. Clairement, clairement. On a l'ancien, un des joueurs les plus expérimentés ici, contre... Le plus jeune. Le plus jeune, hein. Le plus jeune. Le moins expérimenté au final. Je sais pas si c'est le moins expérimenté, mais en tout cas c'est le plus jeune ici. Et la chape en deux, pas déchopé. Pour ça qu'il est très patient. Oh voilà, le step. Step 1 plus 2. Step 4. Dommage, c'est trop loin. Ah, joli FF2. FF2 encore. Ah, j'en étais sûr. Voilà, ça va tuer. Je vis qu'il est pas... Et là, on reconnaît l'expérience, il a pas peur d'aller dedans, il sait qu'il doit prendre des risques, il sait qu'il doit bouger. Parce que quand t'es en désavantage, si tu vas pas chercher ton... Tu vas pas récupérer ton lead, l'autre il peut ne pas bouger, tu vas perdre ton match quoi qu'il arrive. Ouais, bien sûr. C'est universel à tous les jeux de combat, hein. C'est bien gérer le life lead, bien gérer le spacing, ne pas avoir peur. Savoir oser, pas hésiter. Ah oui, parce que là, clairement, mis à part avec la balayette, il pouvait pas faire grand chose. Hein. C'est parti. Ou un gros counter peut-être, il ramène au mur. Dommage, là il aurait pu avoir le wall combo. Ouais, allez, encore un coup vasif, le UF2. UF2. Balayette. Oh le kick, là, magnifique. Il envoie un message. Et lui remet ça, hein. Il lui remet. Shoji qui lui dit je vois tout ce que tu fais. Shoji F4. F4, meilleur coup pour donner avec Jin. Mais de l'autre côté, on a la Kempo Stance qui peut créer de la distance et fausser un peu les choses. Oh, le delay, Max, delay. FF4, c'est beau. Et les 7 lettres dorées, la perfection. Qu'est-ce que c'est beau. Dosan, là, qui est en train de taper tous les favoris les uns après les autres. C'est Dosan, le favori. Bah, Dosan, c'est un des favoris aussi, hein, clairement. Ah, Dosan, c'est le champion aussi. Le champion, ah, c'est le champion l'an dernier, c'est ça? En fait, la saison dernière, ouais, l'an dernier, je veux dire, il me semble. La dernière saison, ouais. Et double perfect. Allez, Shoji, on se reprend. Jamais 203, Dosan. Shoji Frost, rappelle-toi des balayettes. Jamais 203, peut-être. Un triple perfect. Quelque chose de très rare dans le monde de l'e-sport. Ah, est-ce qu'il veut lui montrer que... Non. Ah, il veut lui montrer la... On est parti pour l'expérience. Le champion du monde contre... Triple perfect. C'est clippé, s'il vous plaît. C'est clippé, s'il vous plaît, le triple perfect de Dosan. C'est ici, c'est au ranking La Dose à Lyon, ce dimanche 30 juin. Dosan qui dit à Shoji Frost qu'il a encore un long chemin avant de... Aïe aïe aïe, Dosan là qui est énervé. Hein. Il joue tranquillement, tu vois, c'est la force tranquille, hein. C'est vraiment... Ouais, il est calme. Il se casse pas la tête, il joue, il fait ce qu'il doit faire. Il est composé. Et derrière ça... Il hésite pas, hein. Mais derrière, ça marche, hein, ça marche. Ouais, c'est beau, c'est beau. Allez, tout de suite, c'est mon match, donc je vais vous laisser. Voilà, même, c'est mon match aussi, du coup, je vais vous laisser. Ouais, c'est nous, c'est ça. C'est vrai que c'est toi aussi. Allez. Moi, chaque fois que je me lève, j'ai envie de dormir. C'est horrible. C'est horrible. Et donc, les deux commentateurs sont partis tranquillement faire leur prochain match. Ils s'installent maintenant. Et je suis rejoint par Toubon qui va commenter donc ce match. Salut Toubon. Bonjour. Ouais, bonjour. Salut à nouveau donc. Et après ce triple perfect, merci. Thank you, Talking, for these kind words. Putain, triple perfect, s'il vous plaît quoi. Ouais. Alors c'est assez rare dans Tekken quand même. À ce niveau-là. Oui, c'est très très rare. Hein. Wow. Je crois que j'ai jamais vu ça, mais. Le 3P quoi, Seven Golden Letters comme il dit. Assez impressionnant. On appelle ça un donc, stomp. Un stomp, puis un lift, et après au revoir. un coup ça fait une barre et l'autre coup bah ça fait le reste. Hein. On espère que le joueur s'en remettra. Comme on disait, c'était quand même un des joueurs les plus anciens, les plus expérimentés, contre un des petits nouveaux qui arrive. Qu'il soit parti en semi-winner, c'était quand même assez impressionnant. Hop, donc là d'ailleurs nous sommes en final winners. Ah oui déjà. On va vite. On enquille. Hein. Alice contre Guise. Alors Max... Ah, non, qui prend le duo au final.
Et Lucky Chloé avec Keeper Me First qui prend ce personnage qui lui avait déjà porté chance la dernière fois. Ouais. Donc tout bon, je te laisse le commentaire. Allez. C'est parti. Alors j'ai vu sur Claudien un peu. Il avait l'air bien solide. Ça va être un beau match, je pense. À base de hop kick. Dans tous les sens. On va voir ce que ça donne. Non farmi perdere tempo. Va. Are you ready? Round 1. Fight. Ah, le bon Kotori qui est trouvé, pas de combo. Hey, 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 c'est parti. Le mur. Wouah, le bon damage. Ah, c'est bien joué ça, ça lui permet d'avoir son petit passif qu'il utilisera dans la garde. Et premier round pour Me First qui s'impose tranquillement pour l'instant. Ça va vraiment être une bataille de poke, hein, je pense, au match-up game. Et voilà, les hop kicks dans tous les sens. Ah bah, bien sûr. C'était obligé. Je lance en garde. Hop kick dans la garde. Oh, ça va faire mal. Oh, joli. Donc... Allez, c'est le mur. Tu peux rien faire. Claudio, rentre chez ta mère. Allez, c'est reparti. On va voir si Max arrive à s'adapter. Ouah, le counter est direct. Hey, hey. Et là, le mur est pas loin. C'est pas une super position pour Max. Oh, il se fait choper en l'air. Arrête, drive. Et Me First. Tranquillement. 1-0 pour lui. Ouais, il a joué propre hein, et Max s'est fait avoir dans les pièges. Les pièges de Lucky Chloé. On n'est pas encore on est en FT3 déjà? En winner final? Non. Là, nouvelle règle des rankings, c'est du FT2 durant tout le tournoi. Ah, même pas en finale. Même pas dans les finales. Non, c'est brutal, c'est violent. On casse des derrière et on est là pour ça. Ok. Bah, merci pour l'info. Alors, il va avoir intérêt à se réveiller très très vite. Ouais, c'est déjà assez mieux. Voilà, les petites strings qui imposent le respect. Parce qu'il faut s'imposer, hein. Le Chloé, faut pas la laisser rouler dans tous les sens. Oh, le bon duck. Voilà, il faut mettre les coups dans la garde. C'est bien, il s'est bien adapté. Hey, hey. Non, ça tue pas, ça. Là, la Me First, je sens, voilà, je le savais, il allait s'y placer la red drive. Avec succès. Le bon hockey, les petites baffes. Qu'est-ce que... En bas. Bien joué le hook kick pour poke. Cette hook kick direct. Oh, le wall splat, ça fait mal parce que là on retourne au mur. Allez, oh, le comeback. Est-ce qu'il y aura un comeback? Bien, il a. Waouh, le wall splat. Allez, il a l'avantage. Wouah, c'est grandiose. C'est très great. Ce comeback. Ah, il rate le combo. Ah, c'est beaucoup plus serré que tout à l'heure. Max il s'est adapté, mais malheureusement, ce sera la mort sur ce cool lance-roquette. Je sais pas comment l'appeler autrement. Il fait super mal. Waouh, kick. Nice. Hey. Pas de mur. Malheureusement. Waouh.
le timing du joueur qui s'envoie des gros counter hits. Ah, le power proche, il fait bien le café. La belle feinte qui aura mené à rien. Est-ce que Max va encore comeback? Ah. Et c'est bien joué. Kimi First qui s'impose tranquillement. C'est dommage, Max aurait pu comeback, mais il a pas. Il a pas été à la hauteur. Pas assez en tout cas. Et j'ai à côté de moi Mi First qui va reprendre les manettes du commentaire. Donc je vous laisse ici. Et d'ailleurs, pour préparer les loser brackets, nous faisons une petite pause de 5 minutes sur le stream. Nous revenons dans quelques instants. Et donc, à dans 5 minutes, on prépare juste le reste tout entre vous.
Et nous revenons pour les losers bracket avec Shoji Frost en P1 contre Lisa en P2. Et donc nous avons deux, je pense, déjà le choix des joueurs. Et me rejoint donc non seulement Me First, mais aussi Super Patate. Ah, Super Patate. C'est le vrai celui-là. C'est le vrai, oui. Ah bah. Non, parce que j'ai quelqu'un avec un peu plus de cheveux qui m'avait dit qu'il était Super Patate aussi. Ouais. Bon, allez, je te passe le micro. C'était Maxi Patate. Allez, bah ouais. Ça, c'est l'évolution, ça. Ça, c'est plus tard. Allez, du coup, je connais bien ces gens-là. C'est deux gars qui m'ont bourré hier. Ouais. Ouais, t'es arrivé à Lyon, t'as cru que c'était gratuit, et puis finalement, on connaît la suite, quoi. Ouais, j'ai fait, ouais, c'est easy, c'est Lyon, tu vois. Et voilà. Alors qu'il va jouer. En fait, je me souviens, j'avais dit à quelqu'un, c'est toi avec qui j'avais dit ça. Enfin, j'ai dit ça à Yuki, je crois. Ouais, de toute façon, je bourre tout le monde à Lyon, tu vois. Ah. J'ai payé, mais bon. Ouais. Du coup, les pronoctis. Alors, faut savoir que genre Shoji joue plein de persos. Et généralement, ils tombent vraiment sur Steve, Jin, des fois Yashi, un peu Paul. Et là, il y a pris Noctis qui sort vraiment très situationnellement quand il le sent. Il a sorti Noctis hier contre Lisa. Ouais. C'était pas très convaincant, je t'avoue. Non, c'est pas. Son Noctis, il est vraiment pas calé. Mais après, je sais pas, sur les arnaques de Noctis, ça peut passer, tu vois. Mais franchement, avec Noctis, c'est compliqué dans tous les cas de. Le match-up, je pense qu'il est compliqué. Mais en plus, avec Ling, de toute façon, Ling, c'est un match-up compliqué dans tous les cas, en fait. Enfin, ouais, faut l'apprendre le match-up. Oui, si tu connais pas le match-up, il y a des spécificités. J'en ai fait les frais, t'inquiète. Ouais. J'étais juste avant contre Lisa. Je comptais jouer à Lisa en fait, pendant tout le tournoi, puis en fait j'ai commencé à jouer contre des persos bizarres. Et j'ai fait, bon, je connais le match-up avec Chloé, j'ai pas troll, tu vois. Non, t'as bien fait. Mais ouais, quand les persos atypiques qu'on a pas l'habitude de voir, je préfère. Allez, ça commence. C'est parti. Le gars, il a pas le temps. Un petit 4. Allez, un petit lot pour le combo tellement pas opti, c'est pas grave. DB2, ça fait quand même mal. Il a délai DB2. C'est pour ça qu'il a plus roll. N'empêche, il a pris un bit bar d'avance avec sa connerie. Bah ouais, normal. Oh là là, ça bourre. Tu chopes, t'es chopé. Bien joué, voilà, on est parti. 100% de l'équipe réussie pour l'instant. Bah ouais. Et il tape au backer, mais voilà, faut pas. Il essaie de faire un DB2, je crois. Ça, c'est garanti sur moi, je te jure. Normal, elle me l'a fait 3 fois, je l'ai pris 3 fois, je te jure. C'est à des coups comme ça, ils sont garantis que sur certaines personnes. DB1-2. Selon le match-up joueur, ça peut... Ah, ça vous finish pas, dommage. Il finit trop le temps avec le DB1-2. Hey, je sais pas, il fait les trucs de ligne là. Bon, quoi. Allez, DF2, ça. D'accord, hein, pourquoi pas, hein. Moi, je suis d'accord, hein. Je l'accepte tout. Bien sûr. Voilà, très bien. Question on va dire que le DF2, c'était du mind. Bah ouais, toujours. Et voilà, je chope à des chopes. On dirait 3 que je chope à 1 plus 2, je te jure, c'est horrible. Oh là, ça pire. Non, ça passe. Non, ça passe pas, dommage. On valida, mais pas pour la bonne personne. Le call était pas si mauvais, mais. Et voilà, ah. DB2. Il spam pas DB2, DB2. Hein. DB1 plus 2, plutôt, on attend. On attend le DB1 plus 2, le online. Dash, ouais, c'est bon ça. Le dash launcher. La recovery est vraiment moisie, hein, vraiment. En whiff. Ah, et Link, il y a tellement. Genre, t'as l'impression qu'elle whiff tellement tous ses coups, alors qu'en fait, elle a des gros strings et elle paye super long sur la map. Genre. Encore, je t'ai dit, c'est garanti sur certaines personnes, ça. C'est un ouf, ouais, normal. Oh là, dommage, j'aurais dû le parier, il est bloqué. Ça, c'est le moins 14. Bon, elle avait pas besoin de faire la marque de tuer, donc. Ouais, non, c'est clair. Mais Shoji, il aurait pu le parier, là, en fait. Shoji, là, s'il avait le pari, bon, le combo. Oui, c'est sûr, hein, mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Non, mais d'accord, mais genre, c'est pas genre, il l'a bloqué, genre, juste, enfin, genre, il l'a bloqué, dommage. Faut pas faire le truc à moitié, tu vois. L'erreur est humaine, hein, c'est pas parce que Shoji c'est un monstre qui peut pas. Genre soit tu fonces. Tu peux pas te choc comme tout le monde, hein. Soit tu fonces, mais faut pas hésiter, tu vois. Ah, nice. Moi je suis encore surpris du maintien de Noctis. Ouais, moi aussi, mais bon. Wall combo. Nice. Il a pas fait le demo man, ok. Oh, wall splat sur ça. Manifestement. Oh, Kido. Oh non, elle avait le wall splat, elle a pas confirmé, c'est dommage. Derrière le high. Oh, nice. Bon, il a un peu taffé le match-up quand même, il a taffé 2-3 trucs, je pense. Hein. Depuis hier, je pense pas, mais ouais, y'a moyen. Oh, dommage! Non, c'est moins 14, elle aurait dû envoyer le 3 là, le standing 3. Oh là là! Mais Shoji, il manque trop de whiff finish. Ça va pas se pour Shoji. Il manque trop de whiff finish, c'est dommage. C'est bien une stratégie de Tekken, ça a whiffé le premier pour mettre le deuxième. Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Le problème, c'est quand t'as pas de deuxième, t'as un peu triste. C'est sûr. Oh là là. Non. Et voilà, il était pas sûr. Non, là, il a bien fait de pas taper. Parce que dans le doute, on sait jamais quoi, mais. Non, mais baisser backturn, c'est peut-être pas la meilleure option après. Je suis pas sûr. Faut prendre des décisions dans la vie, hein. C'est ça. Il y a moins, faut choisir.
Et voilà, wall combo, boom, pression mur, ok. Non, il fait rien, il attend. Ah, nice, nice. Dash dessus, nice, dash dessus, joli. Mais ouais, ou tape, il va refaire un DF2, ou je sais pas, ça va passer, non. Corde, oh là là. Oh, Alida. Il faut rater, ça marche pas. Ça marche pas, ça, comme tu disais, je connais. Ah merde. Oh là ah le là, défaite de counter, mais enfin. Bah, le problème en fait, le problème de ce mix-up avec Noctis, c'est que les deux coups sont excessivement lents. T'es vachement exposé au counter hit. Après, une fois qu'il y en a un qui passe, t'es une situation d'oki et tout ça, du coup t'as un gros avantage. Et c'est sympathique, mais. Mais dans le neutral, t'es vraiment exposé au counter hit. Hein. À mon sens, en tout cas, genre, elle se déplace trop. Elle a trop moyen de se rapprocher. Elle a trop moyen de se rapprocher, de se déplacer et tout, et assez rapidement. Et du coup, genre, même si tu essaies de mettre de la distance avec Noctis, tu vas faire beaucoup d'efforts, alors que elle aura quasiment aucun effort à faire pour trop dire sa gueule. C'est pour ça que Link, c'est un perso fort. Bah ouais. J'ai envie de dire, c'est pour ça que Link, c'est mieux que Chloé, tu vois ce que je veux dire. Voilà, genre, t'as du zoning. T'as du zoning, t'as du whiff finish. Oh là là, voilà. Le jeu qui passe en qui. Oh. Tu veux dire qu'il reviendra quand même. Il reviendra ouais, ouais, ouais. Carrément là. Pas mal, pas mal. Allez, Rocky. Interwoman, c'est fini. Oh. Ah, la chop qui passe. C'est quoi, c'est la chop spé ça? Ouais, 1 plus 2, c'est ça. Yes. Il a qu'une spé. Ouais, ouais. Et c'est celle-ci. Hein. Je la reconnais au feu là. Je crois que c'est DF, le DF 1-2. Ouais, mais après il fait la glace aussi, il fait le tonnerre. Je sais jamais laquelle c'est laquelle. Et bah, le feu, c'est la spé. Hey, voilà, et voilà. Wow. Dans le doute, c'est pas UF4. Hey, hey. Non, c'est UF3. Dans le doute, tu. Voilà, faut qui. UF4, c'est l'anti-step. Ah, ok. Ah, oh, dommage. Dommage, y a pas assez Ling, on sait. Hitbox chelou. Oh. Non, y a des devs qui se perdent là. Ouais, ouais. Ah, bah voilà, on en parlait. Hey, hey. Moi, j'ai chez le mur là. Nice. Ça fait pas le combo, mais c'est pas possible. Et nice, ok. Eh, hein, et mine de rien, ça joue quand même. Un hein. Partout, hein, malgré... du coup, tu veux dire. Ouais, ouais, malgré le pick Noctis. Je l'avais un peu donné perdant trop tôt, hein. Ouais, là, mais toujours. Ah, comme hier, comme Forgotten hier. Forgotten Realm. Ah, putain. Mais, ouais. Ah, non, moi je veux pas voir ce match, je veux pas voir ça. Ah. Forgotten Realm. Après, Noctis, après... Il peut casser avec le Demon Man, il a un combo. Après, je sais pas si Ling elle peut casser facilement. Oui, Ling a de bonnes options pour casser. Donc c'est pour ça qu'elle l'a choisi. Elle l'a choisi elle-même le stack. Ah, my bad. J'ai pas fait gaffe. Et du coup, Shoji là. Le tu vas devoir faire des Demo Man. Il va faire des Demo Man, il va faire des combos Demo Man, ça va être cool. Ah ouais, le problème c'est qu'en fait, vu que Shoji il est pas assez solide sur ses combos ou quoi, il est pas très très solide sur ses appuis quand même. Genre, il connaît en vrai, un peu, dans tous les cas, tu gagnes des dégâts. Genre, tu fais Demo Man, tu fais des 2-2. Ouais, ouais, c'est clair. Tu fais un peu combo moisi, mais ça te rajoute toujours des dégâts, tu vois. Après, tu fais genre 2-2-2-2-2-2. Ouais, tu peux même faire ça, tu vois, tu fais Demo Man 2-2-2-2-2, tu vois. Même pas Tailspin, hein. En tout cas, le floating, voilà, combo, c'est parti. Il est au point. Oh là, le mur, hey, et hey, voilà. Ça casse, bien sûr. Et c'est pour ça qu'elle voulait cette map. Et... Ah, dommage. Oh, le pari. Oh, elle a pas voulu finir le pari, elle aurait pu mettre une belle Caliroll là. C'est dommage. Et après, chope des chopés. Et voilà, le DBR2 qui passe. Et voilà. C'est ce qu'il attendait. Hey. Ah, et voilà. Oh là là. Oh, dommage. Comment ça, dommage? J'avais calculé, c'était un setup. Hein. c'était un combo novateur. Quoi? Ah là, ça parie dans le vide, on sait pas, il attend des trucs. Il a attendu qu'elle soit à moins 23 pour parier. Il a raison, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est Jin qui fait ça normalement. Ouais. Il a en plus, il parie, il a en moins, il parie. Jin, il parie toute sa life, il s'en fout, il peut tout faire. Et oh, joli! Oh là là, elle a voulu se taper. Ah, dommage, ça l'a réaxé, c'est dommage. Elle commence à prendre les pressions Kali là. Casse le sol? Non, ça casse pas le sol. Ah là, je sais pas s'il y a une shop qui casse le sol, Link. Je sais pas. Et oh voilà. là, non, là il craque là. Ça aussi d'ailleurs, c'est moins 14 hein, avec Link, c'est très punitif hein, de lancer d'optique avec. Mais bon, pour l'instant, il a un bon taux de réussite sur l'optique donc ça va. Ah, bien sûr. On veut dire. Oh là là. Ça a été plutôt rentable. On s'est Link fort. DB2. Oh, DB1-2, on sait jamais, en doute. DB2. Voilà comment je veux Noctis. Pour les plus frame. Noctis. J'ai pas vu faire F2 par contre. Ah, oh là nice là. Voilà, ça tue. Ça tue pas encore. Non, y'a Loki, mais non, là faut qu'il arrête. Y'a une rage drive disponible. Waouh. Ouais, wow, c'est la. Oh, et voilà. Je parlais du F2 et voilà, il est là. Ouais, il est là le F2. Bien sûr, toujours. Il m'a entendu. Hein. Oh là là, il parie encore au pied. Oh là là, le launcher qui passe. Alors c'est dommage, ça c'est vachement dommage. Ah bah ouais, dommage pour Shoji. Hey, voilà Loki. Derrière Isaac qui remet des plus frames. Voilà, Isaac qui connaît les pressions. Hein.
Mais le dernier des punitions, c'est un peu light, mais le côté red confirme le mur peut-être pas sauver. Non, ça se trouve. C'est la sauvée. Allez, c'est fini sur un perfect. Choji qui perd encore sur un perfect. Hein, c'est... Mais ouais, c'est Marc finalement, c'est sa malédiction à lui. Tu vois, genre. Ah, mais c'est dommage, franchement, il était un peu fébrile sur la fin. Il a pas trop voulu s'exprimer. Derrière, on a un autre match qui s'annonce être lourd. Max contre Time Up. Allez, on est parti. Non, mais ça, c'est un classique de l'Overcraft. Max Time Up, s'il vous plaît. Ça, c'est ça le classique. Va être incroyable ce match encore. Et ouais. Bah là, on rentre dans les phases finales, donc bah forcément, alors, il y a que des beaux matchs. Bah alors, il t'arrivait quoi? T'es fébrile, mec. Qu'est-ce qui t'arrivait à la fin? Ah, Crashman, je suis désolé, mais c'est le seul perso que je connaisse. Oh, Crashman. Mais bon, je peux comparer les persos à Warang si tu veux, y'a pas de soucis. Crashman qui m'a déraillé au mix-up sur la borne Tekken 3. Je joue avec un pote. Heureusement qu'il est bon à Tekken 3. Hein. Et genre, Crash, il était là en FT, enfin, il était en l'air beat by 100 là. Et genre, avec mon pote, on se relayait, on se faisait défoncer à chaque fois, c'est trop drôle. Et genre, t'as joué pendant une heure, des conneries comme ça. Mais... Ah, heureusement, c'est bon. Heureusement, franchement. Parce que s'il était pas bon à Tekken 3, ça aurait été compliqué dans sa vie. Alors Fuito là, Fuito d'ailleurs c'est le favori du coup maintenant du power up. Ah c'est lui maintenant. Fuito qui est le numéro 1 là, hein, parce qu'il a gagné contre moi en grand final hier. Blue qui est 3ème et Wingale 4ème. Et Wingale 4ème. En parlant de ça, hein, tu vois, il y a forcément un Warang dans le top 4. Hein. Non, c'est Warang. Pourquoi? Parce que Warang s'est craqué. Oui. Mais tu sais quoi, on est encore dans le top 4 là. Et on a encore un Warang. Parce que personne ne pige rien, ce jeu de merde. Enfin, ce perso merde, tu vois, genre. Il y a des Warang de partout, bro. Bah ouais. Warang partout, justice nulle part, enfin voilà quoi. Paxo, il a juste fait des 3-4 dans toute sa vie et il est là, hein. Il est là où il est là aujourd'hui. Ah non, ça s'est mal parlé ça. Il a fait B3 toute sa life et voilà. C'est un peu comme toi, Crashman, c'est comme Wingale, comme tous les autres, hein, genre. D3-4, D3-4. Tous les mêmes, tous les mêmes. Il fait des 50-50 à plus 12. Tu peux même pas faire de panic move. Quel horrible personnage. Tu sais qu'il est vraiment à plus 12, hein, tu peux vraiment pas faire de panic move, hein, c'est vraiment débile. Hein. Genre rien faire. Tu peux pas stepper, tu peux pas bouger. Non. Tu dis ouais, soit je mange un mix-up, soit je mange un mix-up. Et enfin, voilà, c'est... et du coup, conclusion, bah. Tu dois attendre le coup d'après pour bouger. Hein. Enfin, c'est. Mec, sur la norme, mais Warang, c'est dur à jouer. Hein. Donc, ah, ouais. Franchement, j'ai joué à Warang, j'ai commencé à faire des 3-4. D'ailleurs, j'appuie un peu sur tous les boutons, du coup, même moi je savais pas ce que je faisais. Et ça, c'est un gros mind. Hein. Bien sûr que ça, le mec paride. Ouais, il peut paride, tu fais pas, genre. Je fais des 3-4, mash. C'est une phase assez incroyable. Hein, c'est... Ouais. Tu peux pas dire, ouais, j'étais yo mind. C'est la chatte, c'est forcément la chatte, tu vois. Mais non, c'est juste plus fort, c'est tout. Ouais, ça va se lancer. Allez, dans tous les cas. Allez, Max, il va jouer Claudio, du Paul. Max, il y a un Paul. Hein. Il a joué Claudio toute sa vie là, donc je pense que ça va repartir sur Claudio. Ouais, il y a moyen. Contre Warang. Sinon, on va un match miroir là. Non, pas de match miroir. Ah, par contre, ça va. En vrai, c'est cool. Paxo qui joue Warang, il prend le sérieux son match. Hein. Parce que Paxo, il joue d'autres persos et tout. Et je l'ai vu jouer avec Claudio, Paxo. Il aurait pu jouer Claudio. Il aurait pu jouer Akuma, il pourrait jouer plein de trucs en fait. C'est un peu genre en détente, tu vois. Mais là, c'est pas trop la détente apparemment. Il est là pour tuer. Allez, time up Max. Ah Warang bon contre Claudio. Yes. Claudio, c'est à la fine. Il fait pas de Trottolino. Vous connaissez, hein. Trottolino balayette. Hein. Du coup, Claudio n'a pas de balayette. Trop d'affaires. Voilà, c'est avec les fights. Ah, nice. Allez, ça avance. Time up là qui est dans l'offensive. Bah, bien sûr. Y a pas grand chose qui passe pour l'instant. Et voilà, mais ce qui passe, ça fait mal par contre. Ouais. Hey. Nice. Il fait le running là pour choper le Starburst. La main bleue. Et voilà, ça launch. Ça fait très mal ça par ouais, contre. Ouais. Il va pas avoir le mur. Ah non, il a pas eu le. Mal. Il a pas eu le wall carry là. Ah là, le soupe. Enfin, le. Ouais, le soupe. Je sais qu'il avait un combo wall carry, il aurait pu le faire, mais. C'est un peu compliqué à jouer à la distance. Derrière, c'est un petit low-pop qui passe. Il essaie de mettre une pression genre en mode ouais, je saute et tout, mais non, c'est pas que ça. Non. Allez, le backlash le step, encore, ouais. Ça met les phases en flamingo. Ouais, il repartit en 700 balles, flamingo, allez. Le droite, gauche, droite, je sais pas, allez. Le up kick qui passe sous le jab, hein, ouais, on adore sûr, ça. La classique. C'est Tekken, hein. De toute façon, les persos qui ont des up kicks qui passent en dessous des jabs, c'est vraiment des personnes de merde. Hein. Et allez, voilà, ouais. Dommage. Ça vous spot pas, ou alors ça vous spot, mais il n'y a pas de combo. Oh là là, ça touche, back one. Oh, ah, le bon duck. Nice. La main derrière, bleue, la main bleue, la main bleue. Ouais, ouais. Égalisation round. Non, en vrai, ça va jouer vraiment le match. Hein, genre.
Ça te fait du bien, Max, de passer sur Claudio là. Pour l'instant, c'est très équilibré. Hein. J'ai commencé à être un peu fatigué. Magnifique duck et c'est launché direct. Ah, dommage. Dommage, ça touche pas. Et ouais. C'est pas votre cas. Ah, il veut pas taper. C'est dommage hein, parce que ce mid il se voit en réaction. Hein. C'est peut-être pas le meilleur mix-up pour mixer avec Leno. Ça se check. Et là, oh, là mais il a... oui. Est-ce qu'il l'aurait vu? Je sais pas. Il a lu. Il a lu. Qu'il l'ait vu ou qu'il l'ait lu. Le champion 2. Yes, c'est pas vu toujours. Hop là. Oh là là. D'ailleurs, là, on en parle pas assez, mais Warang de dos, il a le meilleur shop du jeu, hein. Peut-être un des meilleurs en tout cas. Oh. Parce qu'il a un chapeau 2 invisible, chapeau 1 invisible et chapeau 1 plus 2 invisible. C'est bah c'est le mix parfait, hein. C'est clairement le mix parfait. Allez, ouais, running. Et après, ça me dit que Warang c'est pas top tier. Et... oh là là, mais il connaît, il a travaillé. Il a tellement travaillé. Bah là, clairement, il montre une bonne connaissance du matchup et le step. Oh, ah, dommage. Très bon step. Ah, oh, ça oui, il finit pas. Après, je sais pas, je crois que t'as beaucoup d'active frame sur son machin là, Claudio. Et derrière, Max qui s'en veut là pour se rendre. Ouais, un peu. Il a un peu relâché là, Dommage. Ah là là. Bonne signature. C'est très risqué, mais ça a payé. Hey. Moitié de barre, hein, c'est Warang, vous voyez les bons dégâts. Oh nice. La suite, là, c'était vachement risqué. Il a pris le risque, mais après ça paye quand même. Il avait un bon avantage quand même, il a réussi quand même à sécuriser. Ouais, bah il lui restait sécurisé le premier match. Quasi intégrité par devine. Ah, c'est dur hein, quand c'est comme ça. Hein. Je rappelle que le match d'après c'est la finale winner. Final winner Doosan contre moi-même. Keeper me first. Ouais, c'est sûr que. Sûr que Warang saison 2 là, ça fait pas des dev combos sur toutes les maps. Non. Alors cite-moi un dev combo de Chloé sans imbloquable, allez, on s'attend. Eh ben y'en a pas. Il y en a pas. Et voilà. Eh oui, Mi First qui fait aussi animation de fête foraine et le vos anniversaires. Vos parmi cela. Appelez-moi 07. Voilà, Skyrocket, boum. En parlant de ça, lui il a pas attendu mon appel. Hein. Ça envoie le Skyrocket. Oh là là, il est oh là là. Je sentais le revenir, mais il a tellement bien delay là, c'était compliqué C'était compliqué de mind the timing. En vrai, c'est vraiment compliqué. Genre, bah, c'est dur de rester baissé aussi longtemps, hein, clairement. Parce que quand tu sais toutes les saletés que tu peux prendre en mid, c'est dur, hein. Et pas que ce soit bien joué sur ça. Pas de punition, malheureusement. Non, malheureusement. Allez, la patate, la soupe patate. Hey. Le mur. Hey. Et là. Non, il a raté Max. Oh, dommage. Allez, c'est bon, un dernier coup peut-être. Allez, un petit go, on en parle plus. Allez, non. Ouais, voilà. C'est pas passé high en saison 2, ça. J'aime bien faire des calls nuls. Parce que, genre, comme ça explique pourquoi que moi je suis au commentaire. Et pourquoi les gens qui jouent, ils sont en train de jouer. Si eux ils sont là et que toi t'es pas là, c'est ça, c'est une raison en fait. Oh, nice. Le hop kick. Oh, voilà, ça fait mal. Oh, bon. Hey, le mur. Non, pas de mur. Nah, là, ça doit. Mais ça tue, hein, ça tue. Ouais. Non, dommage. Pas le bon coup. Ah, là, ouais. Allez, time up. J'ai l'impression. Non, c'est bon, la chop qui passe. Un petit coup de genou, là, comme ça, de la chop, là. Ouais. Il doit avoir mal au bide, là, le Warang. Hein. Il s'est baissé sur son backdash, ça, c'était marrant. Avec patate. Il a le mur mais il a pas de combo sur le mur. Allez, ouais. Les phases de power crush. Ah, Dineda qui n'était pas là hier d'ailleurs. Il y a Dineda sur le chat, il était pas là hier. Il ne pouvait pas. Alors là je commente avec soupe patate, c'est me first. Et ouais. Toujours au ranking de la dose. À Game Spirit. Ah, petite pression au mur. Hey. Oh là, ça va faire mal. Pas assez patience, c'est dommage. Ça fait mal quand même, mais... Ouais. Pas suffisamment. Ah, là il s'en veut fort. En vrai il pouvait avoir le match mais il était un peu désaxé, c'est compliqué. En général t'as envie de le low parry là sur Azrive mais Ouais. Mais là c'est compliqué t'es en fin de vie là et tu prends un DF1 t'as perdu c'est... Potentiel balle de match pour Paxo. Paxo time up. Il s'est encore bien baissé au bon moment mais il a pris toute la pression. Non c'est bon il a tout pris là. Ça y est, il a tout pris. Time up là qui... Du coup c'est en 2, c'est pas en 3 là. On est en 4. Ouais, on est en quart 102. 102, 102, c'est 2012. Ouais, ouais, 102. Et voilà. Prochain c'est match, la fin d'aventure. Mais ouais, mais c'est dur. Je rends le casque. Et oui, parce que tu as joué. Yes.
contre Dosan. Et ben Max, ramène-toi pour le commentaire. Ça fait longtemps que j'ai pas joué contre Dosan. En général, je gagnais plutôt contre lui, mais là il est énervé. Hein. Il est énervé, j'ai pas trop envie de l'affronter, je t'avoue. Non, c'est vrai que Dosan il est pas très content là. Ah, mais c'est vrai, il est serein. Il est un peu trop fort aujourd'hui. C'est hein, genre. Et on recommence tout de suite avec le match Doosan contre Keeper Me First. Et donc en haut commentaire, nous avons Super Patate et Time Up. Et Paxo. Merci. Paxo qui a fraîchement gagné son match là. Ah, tout à l'heure. Comme tu veux. Comme tu veux. Ah, ça commence à négocier des places là. Ça va. Ça négocie des places. Ah, voilà, Crashman qui dit Paxo. Ah là là. Crashman, ouais, il dit quoi chat, il dit pas que c'est le meilleur. Oh là là, c'est toi le meilleur, Crashman. Oh, ça sent des fleurs et c'est tout. C'est toi, c'est pas moi. Ah, en ce moment, je suis pas au top de ma forme, je fais pas de belles performances. Oh, les pires. Mais peut-être la prochaine fois, je ferai mieux. Mais ça, va faire ta réseau ensemble, ah, tranquille quoi. Ouais, tranquille, ouais. Ah, mais il y a deux semaines, laisse tomber, j'étais carrément démoli. Ouais. Ah, il y a deux semaines, ouais, Ça se passe, les gars. Ouais, toujours, hein. Ah, dans le main, ça va? Alors ouais, le Paul? Il t'a encouragé et tout, genre. Il était là pour toi, hein? Ouais, ils sont sympas. La communauté Tekken est toujours avec, tout le monde. C'est toujours des présent. Fois, des fois, ça trash talk, mais c'est de l'amour. Ouais, c'est bon, c'est de l'amour. C'est du sel qui pique un peu, mais. Non, tranquille. C'est par amour, en fait. C'est l'amour du sel. Allez, ça va commencer. Ouais, ça va commencer à être Dosan, qui est en P1 et. Miforce en P2, Mickey Chloé contre Punk. Sur un stage infini. Sur un stage infini, effectivement. Donc, hop, ça step, ouais. Donc il a pas pu continuer. Oh, ça a puni. Ça va jouer dépassement. Ouais. Oh là là, le step 4. Oh nice. Full crunch 1, hop, DV3, un jab, un poke, QCF 1. Oh, il est Boxer, il pouvait attaquer, mais il a delay, dommage. Ah, oh, rage. Ouais, il est pas. Ah, on s'en fout, pif, allez, kill. Ah là là, ça fait trop mal au Tizem. Ah non. Eh oui, il a utilisé trop impatient. Fing, il a une stance qui est chiante là. Ouais, son back 3 plus 4 là. Donc hop, ça va encore poker, ça va rester. Faut pas qu'il whiff. Faut qu'il reste patient contre Mickey Chloé. Pareil pour de l'autre côté. Oh, les dégâts. Ouais, si en fait une erreur, t'es mort quoi. Ça a piqué, bah alors sur un stage, ouais. De toute façon, t'es au taquet, enfin, il y a moins, c'est ce que tu peux faire, c'est genre te bien te déplacer ou il finit, je crois. Ouais, c'est genre, ça, carrément. Voilà, donc, ça punit, simplement, ça punit pas en launcher. Oh là là! Oh, dommage! La grosse erreur! C'était vu ou read, je sais pas. Hey, hey, oh là là! Il s'est mangé du besoin. Et ouais, ça fait mal. Pack 1, non, pas DF, 4. 1-2. Hop, ça poke, et oui, hey, et oui, hey, le combo. Il va zoner, il a l'avantage, il reste. Il a essayé un remis 3. Nadosan il essaie de pas trop avancer. C'est dommage là, il est en pied au fil, je crois, et voilà, il a senti Lolo. Il a senti Lolo. Et ouais, son jeu s'est 2-1 pour First là. Rien n'est perdu. Hey, voilà, et oui. Pas des balles. Ça zone. Oh le whiff. Et oui, mais voilà. Il aurait dû faire un petit finish. Il est pas assez solide sur ses finish. Hein, alors qu'il arrive vraiment. Il a des petits bouts. C'est jamais parce qu'après il peut mettre un UF3. Ouais, c'est vrai. Parce que ouais, lui, ouais voilà. Ouais, le finish qui tue.
Ouais, genre Mirror. Souffler Palme. Genre ça va, Palme, ça gagne tout, Palme, c'est fort. Ouais, c'est vrai. C'est pété. Hop. Ça oh, cherche nice. Le back 4. Ouais, c'est comme ça que j'ai ouais, là. Voilà, Calirol. Ah, oui. Oh là, oh, dommage. Encore une fois, mais... C'est dommage. Il a l'avantage de la vie. Oh, oh nice. Là là. Hop. Voilà. Back. Eh oui, non, eh oui. Calirol pas. Tranquille, arrête. Tranquille, Lado. Oh, de ça, joue tranquillement là. Ah, bah non, là c'est la mort. Ouais, non, là c'est la mort. Eh. Hey. Oui. Ah, même pas! Oh, dommage! Et ah, c'est... Monkey, score 2. Ah, c'est difficile hein, de voir le solo là. En ce moment, j'arrive pas à le voir. Oui. Ah ouais? Je l'ai pas testé. 1-0 pour Mikas, c'est en 3, hein, c'est ça? Ouais, ouais, là c'est la. Ouais. La finale de San. Réplique. S'il réplique pas là. Oh là là. Ça veut dire qu'on est free à Lyon. Bah ouais, mais non, c'est faux, t'inquiète. Mais ça va, hier, on a été sauvés par Lisa. On va aller voir Lisa, elle va réitérer l'exploit. Ça va, ouais. Elle a tué en 3-1, quoi. Eh ouais, elle a mis 3 en pied bleu, là. Ah, c'est sévère. Allez, voilà. Oh là là, ça fait mal. Tiens, je confirme. Oh là là. Eh mais faut arrêter. Monsieur de Salle, quelque chose, s'il vous plaît. Oh là là, le... Hey. Voilà. Passe pas. Là, j'ai l'impression que Dosan n'était pas très concentré au PMH. Si, il était concentré, mais je le trouvais impatient. Ouais. Je trouve qu'il est impatient, il voulait taper pendant les strings de Chloé. Mais c'est pas passé. Oh là, ça part de Gigas. Ah là là. Gigas. Oh là là, on vous aime. Oh là là, perfect position. Gigas. Le meilleur Gigas de Lyon, c'est Super Patate. Et pas des villes panthères. Non, il est pas à Lyon, il est dans l'art. Bon. Si tu m'entends des panthères, c'est par amour. Ça y est, ouais, panthère. T'as qu'à dire plus souvent. Hein. Ah, c'est ouais. Bon, allez. Allez, la 2-5 a pris l'avantage ouais. Un peu. Là, il essaye de garder. Oh là là. Et oui, le coup d'épaule. Oh là là. Oh là, respect kick. Il reste voilà. Tranquille. Faut qu'il joue tranquillement là. Bon, on sent qu'il maîtrise un peu plus là, le rythme de jeu. Là, il est un peu plus patient ouais, que ouais. Tout à l'heure. Oula, oh, ça accroche le lot. Il s'accroche tout. Le tout petit crush. Il kick et la reine des crushs. C'est ça, ça. High, middle, low. Juste après lead. Ouais, c'est ça. Oh, alors, contre Warang. Warang, lui, il a que des high et des low. Cette fois, ouais. Il passe une santé. Il se dit, genre. Tout à l'heure, j'ai fait deux Calirol devant moi. Il a tapé. Il va taper aussi, tu vois. Ah ouais. C'est passé, enfin. Ouais, c'est du main game, hein. C'est comme ça. Bah ouais, c'est main game après. Et main game risque quand même. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ah, et là il a pas tapé par exemple. Tu vois, genre. Il s'est dit, genre, ouais, j'attends un peu. Ah ouais, il a tapé direct. Il a tapé, faut pas taper. Wari, il lance direct le F3. Ça marche. Oh là là, mais non, ça crush. Il a fait. Oh là là, le combo, il a osé le launcher. C'était un peu risqué. Ouh, dans l'erreur. Et voilà, ça tue. Là, c'est fini. Le low. Ah non, le middle. 2-0 pour. C'est compliqué là. Compliqué pour Manu. Hein. Alors, notre héros lyonnais, qu'est-ce qu'il fait? Notre héros lyonnais, faut qu'il nous sauve. Non, c'est en 3, c'est le final. Ah, c'est en 2? Ah, bah. Okay. Ah bon, bah, FT. Okay, on a eu des règles du ranking. Bah, je crois que ouais, les règles du ranking, c'est FT. Ils sont valables que dans les 4 murs de Gay Spirit. Je sais pas. Et du coup, voilà. Avant c'était FT3, maintenant c'est FT2, je pense. Ouais, bah. Putain. Ouais, bah, du coup, c'est en 2. Et bah, du coup. La victoire est à MiFirst. Manifestement. Donc, MiFirst gagne. Du coup, MiFirst qui gagne. Il passe en grande. Il faudra le. La confusion, et du coup, bah, ouais, bien joué. Et voilà. Mais du coup, Dosan qui passe en lui. Tier 2. Tier 2, moi. Ouais. Il est P2. Et voilà, du coup, on va voir Lisa, la fameuse Ling contre Paxo, et ouais, qui venait commenter là, allez, pour la loser finale. Et ensuite, le gagnant ira affronter Dosan en loser, pour la grande finale loser.
avant d'avoir la very grande finale. Il sera du coup Me First contre eux, on ne sait pas. Et du coup, t'as pensé quoi, toi, mon cher Slav, de tout ça? J'en pense que ceux qui disent en effet que Lucky Chloé est un lotir, ne savent pas utiliser Lucky Chloé, a priori. Mais non, faut pas. Non, toujours est-il. C'est assez impressionnant. Je suis pas un grand technicien de Tekken, je suis même pas du tout un technicien de Tekken. Mais on voit quand même des Twitch réflexes, le jeu avec les murs, le jeu même, selon en fait les mix-up, les match-up, les hockey zem, selon justement la distance au mur, etc. C'est assez impressionnant et c'est vraiment très sympathique à voir. C'est juste que t'as vu les barres de vie qui descendent, c'est tout. Ah bah oui, à coup de 50%, ça va vite. Hein. Et voilà nos deux joueurs et joueuses qui sont prêts. Ça y est, ah et voilà, du coup, Mifars qui arrive. Ah bah, et donc, je vais donc laisser de nouveau le micro à Mifars. Allez, vas-y. Et voilà, j'ai le micro. Bonjour Mifars, bonjour. Ah, je plaisante, donc tout de suite, en grande finale, du coup, ce sera moi. Doussane, malheureusement, est parti, du coup, le gagnant de ce match me rejoindra en grande finale. Ah non, il est parti. Oui, Doussane a un impératif. Un impératif personnel, il a dû y aller. Des impératifs. Ah mais non. Et du coup, le gagnant de ce match ira en grande finale et m'affrontera et okay, direct et pourra potentiellement me rebet et voilà, un petit Lisa. voilà, la revanche hier. Petit Lisa Me First là. T'en penses quoi toi? Donc allez, Lisa contre Paxo, time up. Ah ouais, c'est le même top. Ouais, c'est le même top qu'hier, ouais. Sauf que là, je suis en winner, là. Mais après, ouais, c'est ça. Après, hier, il y avait pas Dawson. Non, mais le top 3, là, c'est... Ouais, non, mais bah, du coup, parce qu'il est pas là, ouais. Sinon, le top 3, c'est lui. Après, je sais pas. Ouais. Sinon, le top 3, c'est Dawson, mais techniquement, c'est eux le top 3, parce qu'ils sont là. Ouais, t'as compris ce que je veux dire, quoi. Ouais. Allez, c'est parti. Bref, let's go, Warren contre... Xiaoyu, deux des persos les plus détestés par les joueurs. Oui. Ah oui, non mais oui, clairement. Ah mais clairement, parce que c'est très dur de jouer contre. Ils ont tous les deux une grosse move list avec plein de coups difficiles à gérer. C'est aussi très dur de jouer du coup, quelque part. Enfin... Pas forcément, hein, c'est. En fait, ce qui est dur, c'est qu'avec les persos comme ça, t'es vite rentré dans de l'autopilote. Ouais. C'est... Ouais, ça commence par un perfect, ouais. Et Lisa qui est... Elle dit bonjour. Tranquille. Lisa qui n'a pas peur là, elle envoie. Oh là là. Elle a bien raison, tu marches bien. Vas-y. Low high. Tranquille. Oh là là. Tiens, vas-y, low mid. C'est un double perfect. Eh mais oui. C'est un double perfect. Mais non. Non. Alors que tu ne l'auras point. On était pas loin. Ah ouais, si elle a pas de choc la fin là. Et cette pression. Aïe aïe aïe, mais de l'autre côté là on a pas saut. Et la pression, Warren il connaît. Ouais, les meilleurs pressing du jeu, la meilleure offense du jeu peut-être. Warren. En plus, tu fais un clic. Si jamais tu sais pas quoi faire. Tu sais pas trop, genre tu fais au pic, hein, c'est un truc que j'ai appris. Ouais. Un grand sage m'a dit, a très longtemps fait ça. Ça a toujours marché pour moi. Sauf quand ça a pas marché. Après, t'as aussi dit, joue le kick-away, hein, ça. Ouais. Oh là là, armor contre armor, et non. Attends, je peux pas. Donc, le dumur était naze, oh, non, le bas point. Kick. Ah, deep jump. Le low, attention. Life lead pour Paxo et time up. Time up. On a quand même eu un super dick jab en slow-mo. Incroyable, c'est un peu clippé. Hein. Clippez-le, partagez-le. Vive les dick jabs. Vive les slow-mo. Dick jab life matters. C'est ça. Oh là là, dommage. Il a bloqué le low. Et voilà, la suite. Ça commence à faire des cali, machin, on sait pas trop. Et le B3, allez, à la réception, il était là. Il l'attendait. Arrive et je te launch. Et waouh. Calmez-vous, monsieur. On se calme. Time up là qui envoie le Blue Sky Rocket. Il a pas tout dit encore. Ah, il est un peu énervé lui aussi. Ah, le petit combo là, ça fait pas trop mal, mais ça fait quand même mal. Et voilà. Non, c'est pas mal. Ça trade. Il a perdu 60% déjà quand même. Ah, c'est chopé la chope en deux. Oh, presque hein. Oh là là. Bon, qui savait que ça marchait. Donc, il ne passe pas. Et voilà, Time X au mur. Chope en deux. Il a un Oki garanti normalement. Et voilà. Ah là. Il a pas fait l'Oki garanti, il a fait le garanti sur la tegroll, ça va faire mal. Non, du tout, le mur l'a sauvé. Nix me dit genre faut se baisser, c'est comme ça. Oui, faut se baisser, il faut appuyer sur down. Oh là là. Et du coup, Lisa 1.
1 pour Lisa, 0 pour Time Up. Je rappelle, ah là, c'est le gagnant ira en grande finale, loser side. Lisa qui et c'est un FT2. Lisa qui grimace un peu, Time Up qui est très, très concentré. Mais FT2, donc balle de match et pour ouais, Lisa, ouais. SHA Oyo. Là, là, le coup de cœur, là, hop, hop, hey, 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 oh le mur. Elle m'a un doki derrière, un petit lot, c'est mignon encore. Ouais, ouais, non, ça gratte pas mal, hein. Et voilà, non, Pamzo qui a 3 ou 4 coups de gratte de mourir. Un combo. Oh non, dommage. La punition, elle a oh pas là, été. Nice. N'a pas été exécutée. Oh, et ça tue. What, ça tue, bah allez. Ça tue. Hein. Ouais. Non, il y a pas de manière. Pas de négociation possible là. On négocie pas avec les terroristes. Allez, Time Up qui a le soutien de Crashman là dans le chat. Ah, mais ouais, Crashman il est derrière toi. Ah, le Warang Army. Bah, en même temps, tu passes une secte. Ouh, oh, le Wish ouais. Punish. T'as vu ce Wish Punish avec un Blue Sky Rocket. Ouais, bien sûr. Oh, il a pu se passer des choses. Nice, ça se passe. Le step, magnifique. Oh là là. Je savais qu'il fallait step là, mais elle a vraiment bien fait. Elle allait dans son dos, le combo, attention, ouais, Time Up. Oh, un mix de la victoire. Mais non, et le voilà. Côté A, combo de la victoire, Lisa. Allez. Lisa qui va gagner peut-être. Roll. Nice. Voilà. Ah, elle a commencé, je sais pas, elle était pas. Elle a paniqué un peu, genre. Ah oui, ça clairement. Ça splat, elle a dit genre, oh mon dieu, ça splat, qu'est-ce que je fais. Au final, elle a eu le dernier mot. Bien sûr, bien sûr. Ah là là, le B3 en wheel. Voilà là là là, mais ça envoie. Ça envoie les faces du grenier. Allez. C'est pas mal joué en vrai, hein. C'est un. Non, ça c'est a fini par with finish. Je sais pas si c'était le but à la base, mais en tout cas, ça a fait son effet. Oh là là, nice. Hop, hey. Double combo peut-être, double combo. Elle a préféré prendre un Oki, elle a réussi deux Oki déjà. Bah, elle a raison. Ah, dommage. Ah, ça tue. Bah, ouais, ça tue. Il sait qu'il faut faire ça. Hier, il en a fait les frais, hein. Il a raté ça sur un petit perso et. Et ouais. Il a perdu un match sur ça. Du coup, c'est bien qu'il soit adapté, qu'il ait fait un low là pour finir le match. Le mur, non, pas de mur cette fois. Oh, ce oh là là, la OP qui passe en dessous. Non, dommage, là, j'attendais un petit B3 là. Et ouais. C'est pas grave. La patience au sol, mais. Il y a quand même un léger avantage au round là pour Time Up. Et l'avantage au point du fort côté. Ah, c'est passé. C'est passé de l'autre côté. C'est peut-être fini là. S'il fait un combo step 3, peut-être. Non, il y a pas, il pouvait pas le faire. Petit jab, mais on en parle plus. Et du coup, 1-1. C'était assez donnant en fait. Genre un coup c'est Lisa qui arrive à gérer le match à la perfection et puis après c'est Paxo qui reprend le dessus. Enfin, ça s'échange assez moyen en fait. Bah clairement j'avoue que j'ai pas envie d'affronter Lisa. C'est genre all-in. Donc mon commentaire il est un peu biaisé tu vois. Ouais normal. Là je comprends mais il y a un moment elle est là, elle sait faire des trucs. Ouais. En tous les cas c'est un match assez équilibré hein. Ah, non, c'est ça se joue et à voir qui aura le dessus à la fin. Je rappelle que c'est un FT2. Donc le gagnant de ce match va en grande finale. On va directement ni first ici présent. Et voilà, au World Estates, ça va casser des murs, ça va casser des balcons. Avec Warang, j'ai vu qu'il y a des death combo faciles. On y revient. Mais je rigole pas, hein. Crashman, c'est pour toi, regarde les vidéos de Wiki. Hein. Wiki, l'anglais, tu le connais, c'est le bro. Voilà. Ah, ça fait le launch. Alors, ça se déplace, on sait pas trop. Attention, le counter, oh, le counter 4. Hey. Il voulait pas tes spins, hein. Il voulait vraiment pas tes spins. Il voulait pas. Il voulait avoir le combo vidéo là, mais. Il a traîné toute sa vie. Il a fini par céder quand il a vu que c'était impossible. Ouais. Et voilà. Oh là là, B3. C'est sur la OP, c'est ça, j'ai pas vu. Je crois pas. Ouais. Et voilà, no eye, hop, petit jab. Mais le pire, c'est que c'est même pas dur à faire, hein, les dev combos sur cette map là avec Warang. Oh, c'est... oh là là, t'es neuf. Allez, ça casse quoi ça. Allez, t'as le speed peut-être. Non, elle va envoyer au mur. Ça non. Casse au premier mur. Hey, non. Allez. Oh, le coup de cœur. Mais oui. C'est ouais, magnifique. Joué, ça. Elle a sauté par-dessus son lot. Par-dessus la troisième corde. Comme ouais, dirait mon ami, c'est pas un joueur de King, mais presque. Elle échappe en deux, déchopé. Alors, on a peu des. Et bien sûr. Ça va. Oh dommage, il a voulu faire B3 là. Oh là, et au pied. Elle voulait. Il a quand même eu son combo. Et ouais, Justin Skyrocket. Mais non, tu te laisses pas. Je crois pas, tu fais pas ça. Chop déchopé. Déchopé, bien sûr. Eh, hey, la Kairol. Hey. Ça. Oh dommage. Pas de radar au mur. Radar disponible. Et voilà. Et oui. Allez, encore des rounds. Round 4.
Ah, ça fait mal, hein. Ah, ça fait mal. Je vois comment ça se passe dans la tête de Paxo. Bah là, pour l'instant, il a l'avantage, donc je pense qu'il reprend confiance petit à petit. À voir s'il gagne ce round ou pas. Le pari, magnifique. Voilà. La chope, déchopé. Derrière le high, et pas duck, c'est pas grave. Il a toujours l'avantage au point de vie, et voilà. La punition magnifique. Est-ce qu'il va clôturer ce round? Pas de choc, s'il te plaît. Voilà. Final round. Et ouais, le tout dernier. Qui ira affronter Me First? Qui ira sauver l'honneur? Il y a trois canyons qui auraient pu passer là, la pause. Et le counter derrière. Et voilà. Hey, Loki. Ah, nice. Allez, mid-bar déjà pris par Time Up. Ok, il va de l'autre côté du mur, là, il a l'avantage du terrain. Et ouais. Le power crush, magnifique. Ça change de côté. Il a l'avantage du côté, hein. Là, s'il met un combo, c'est. Oh là là. C'est pas passé. Oh, et voilà, c'est terminé, Lisa. Lisa qui passe en grande finale contre Time Up. Time Up qui pourra pas défendre son titre. Et non, c'est Lisa qui va redéfendre l'honneur lyonnais là. Et ouais, comme hier. La même. Est-ce que je suis prêt? Je ne sais pas. Ah là, Ben Gaver, c'est l'équipe en préparation. Seul le temps nous le dira. Et oui, bien sûr. Et du coup, est-ce que Paxo ne rejoindrait pas aux commentaires pour la finale? Et ouais. Tu pourrais nous parler un peu de ton match. Voilà, il nous rejoint, il est là, il est beau. Il a eu chaud. Bah, tout simplement, j'ai merdé. Mais non, mais t'as pas si merdé que ça, mais non. C'est dur. Enfin. Ouais, mais comme je vous l'ai dit, en ce moment, je suis pas très chaud. Et là, j'ai pas trop géré. Ouais, mais ça arrive, hein. Ouais, j'ai fait 2-3 trucs. Il va y avoir des petites baisses de perf. Et du coup, les amis first, tu donnes. C'est toujours un FT2, hein. Ouais, donc, 4 pour Lisa, c'est ça. Yes. Elle a des chances, hein, de gagner. En vrai, moi je mets encore mes billes sur Lisa, comme hier. Ouais, bah pas hier, je misais plus sur Me First. Mais la performance d'hier, ça va être difficile. Parce que là, Me First, là, il est reposé. Là, il a fait de la route, hein, quand même. Comment ça, ça a relancé le match? C'est vrai qu'hier, il était petit. Ouais. Ah, c'est bon, tranquille. C'est Me First qui après avoir la grande finale. Ouais. Qui après avoir trash talk sur les Warang toute sa life. Hein. Il s'est dit genre, non, allez, vas-y, je vais jouer, je vais faire des 3-4 et... Donne 3-4. Parfois, Donne 3-4, ça passe pas comme Zao. Parce qu'elle saute. Non, mais les... ouais, non, c'est ghetto. C'est bizarre. Hein. C'est ghetto. Les hitbox et tout. Là, c'est vraiment un perso que je vais là, je pense, ce soir en rentrant, tu vois. Zao, ouais. De toute façon, faut laver tous les persos. Hein. Quoi qu'il arrive, faut laver tous les persos. Ouais. Faut là tous les persos, mais quand même certains. Nous avons Elix à côté de nous. Et ouais, bien sûr. Donc. Non, je crois pas. Lisa, un tuteur? Non, je crois pas. Non, enfin après, tu vois. Je sais pas. Alors, Elix, tu t'en penses quoi de ce ranking? Ah, moi, je fais très belle performance. Très belle performance. Une victoire. Une victoire. Félix. C'est déjà pas mal. C'est ma meilleure performance. C'est la première qui a fait la best perf, on va dire. Ça arrive. Ah, mais il est fatigué aussi, Allez, pourtant, ça commence sur Forgotten Realms. Oh là là. Oh là là, ça va casser des sols et tout. Ça va faire des combos infinis. Time's up, t'es mort? Ouais, je suis mort. Et la musique, hein, de Forgotten Realms qui est tellement bien. C'est la vigère. Je suis pas vu venir. Oh là là, ça commence à être trop bien. Ouais, moi aussi, je suis dead. Franchement, la vie dure. Si j'arrive en Suisse, faut qu'on traîne. À fond, là. Hey, ça remet des petits pocs. Oh là là. Hey. Oh, ça tue pas. Oh là, ça va être difficile de remonter. Ouais. Parce que là, quand t'es en grand final, quand t'es en loser, t'as la pression de tout remonter, en fait. Là, ça joue vraiment pas sûr. Mais c'est vrai que là, Lisa, en fait, faut pas se dire ça, non. Non. Mais hier, elle était en winner. Ah oui, ouais. Hier, c'était inversé. C'était le même match, mais inversé. Et du coup, c'est un FT3 aussi. Il fait, c'est confortable. Il se dit, c'est bon, je gagne 6 rounds et c'est fini. C'est ça. Et voilà, la shop qui passe. Et je sais plus comment tu fais pour rester. Tu sais, pour revenir en garde. Tu sais, en... Faut se baisser, apparemment. Faire bas. Faire bas? Ouais. Là, mais il est confort parce qu'il a pas reset. Tu vois. Donc, lui, dans tous les cas, faut qu'il gagne 6 rounds d'affilée. Enfin. Pas d'affilée, mais
Alors que du coup, il y a Lisa qui doit reset, ouais, reset et gagner. Et ouais, non, c'est plus pas là. Oh là là. C'est dur de jouer contre Dayo. C'est passé. Il faut avouer, il faut travailler. C'est la patience, la patience. Oh là là, Miflas, mais. Il a steppé, il a offre une chair. Ouais, ouais, non, là, il conditionne. Il conditionne. Il fait direct. Nice, combo. Elle est au mur. Ah, dommage. C'est raté. Elle aurait pu casser le sol. Et étendre un peu le combo. Et du coup, ça se rend. Les combos, et là, voilà, on arrive tout en bas. Ouais. Avec Ganesh en fond. Là, il n'y a plus de sol. Oh là là. AOP. Oh là là. Elle a tenté. C'était risqué, mais elle a tenté. Voilà. Dommage. Mais non, ça tue, ça tue. Oui, oh, ça tue. Oui, ça tue, ça parce tue. Parce que en vrai, ça aurait fait mal. Ouais. Ça aurait fait vraiment très très mal. Oui. Puisque, il aurait tué, hein. Je pense. C'est la max. Ouais, la max a tué. Ouais. Ça aurait tué, ouais. La retard max. Eh oui. Hey. Oh là là. En fait, Zero, elle repêche tellement bien les personnages que ça gratte, oh ça nice. Gratte, ça gratte. Le low pari qui était sur ça fait rapide. Super mal. Hein. Ah, c'est intéressant. Qu'elle joue tranquille là. Ouais, il essaie. Nice, et voilà, combo. Le comeback. Elle connaît en plus. Oh, dommage. Ah, elle voulait prendre le Loki. Ouais. Faut qu'elle reste tranquille. C'est un choix. Faut qu'elle reste tranquille. Mais après, il reste pas grand chose. Ça gagne. Oh, dommage. Et ouais, il s'est passé sous la chope. Wouah. Et Kali. Qui est bloqué. Et ouais, bloqué puni. Je le vois jamais ce lot en rage. Et du coup Mi First. Ah ouais? Parce qu'elle en a OP, je peux pas rien faire. D'accord. Ok. 2-3-1000 qui touche à Yopi. Et voilà Mi First qui en plus nous donne des petites indications. Ouais. Bah il connaît. Ici on connaît pas le perso, on connaît rien. Non, on connaît rien, on est là. On comprend rien. Venez. Allez, on joue pas à Tekken. Je joue un truc qui ressemble, mais c'est pas de con. C'est gentil. Ah, ça casse pas. Hey. Et voilà. Ça, c'est un scandale. Je vais amener Mishima. Par contre, on a Sonia qui joue Dragnov. Et Lars. Eh, hey, c'est vrai. Mais qui joue Lars? Personne joue Lars. C'est que c'est pas comme personne. Sonia. Hey. Et là c'est combo, hey. Ah là là, ce mur, ça va emmener au mur. Il a deux rounds de la victoire. Ah, nice, le Kalilosh. Beau combo. Ouais, là ça part mal. Le mur, casser le mur. Là faut pas drop. Faut pas drop ça, et ça passe. 4, maintenant. Hey. Nice. Et voilà. Ce combo. Non, Lisa elle connaît le combo, hein. Il a pas drop. C'est plus du Tekken, hein, tout ça. Enfin, nickel. Ah, ça va vite, hein. Bah ouais. Mais plus le tag 2, ça enlève trop de vie la barre. Et en vrai, faut avoir rejoué à tout coup à Tekken 3 il n'y a pas si longtemps que ça. Tekken 3 il n'y avait pas de dommages en plus. Ouais. Donc ça faisait tellement mal aussi. La vie partait super vite. Mais le meilleur c'est Tekken 5 VR, pas se mentir. Ah là là. Non, c'est intéressant. Attends. Et du coup, balle de match pour. Balle de match pour Mi-First. Mais rien n'est joué. Voilà. Alors rien n'est joué, mais là si ça fait des cures comme ça, c'est mort. Hein, c'est... Oh là là, et voilà, il part. Ok, le Spring Geek qui passe. Et non, ça va tenter un lot, que ça finit pas. Oh là, bah, les backturns. Ah, elle tente de Kali Roll, non, là, c'est. Non, alors. Parce que la fin. Mais... Non, c'est compliqué. Oh là là, quelque chose. Et c'est fini. Et voilà. Le gagnant, Mi First. Mi First qui a officiellement battu Lyon. Et ouais, t'as battu Lyon. Il a gagné un tournoi, les gars. Il a gagné un tournoi, incroyable. Il a gagné un tournoi. Incroyable, il l'a fait. Le beau gosse. Et ouais, non, mais voilà, il est venu à Lyon, il a gagné. C'est la première fois de sa vie en plus. Félicitations. Ouais, c'est cool d'avoir Mipper, Célix qui sont venus. Bah ouais. Là, bien joué. Voilà, Mipper. Un petit mot, Mipper. Merci à tous ceux qui ont cru en moi. À savoir, merci à ma mère, à ma famille, à mes amis avant tout, merci à Clément. Eh oui, je note le sponsoring de Keeper. Sponsor.
Du coup, quelque part, il y a un Lyonnais qui a gagné. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Donc voilà, c'est qu'une... Alors, je tiens vraiment à m'exprimer pour tous ceux qui m'ont suivi depuis le début. Une défaite en demi-teinte. Et voilà, merci Marseille. Merci Marseille, merci Lyon, merci à tous. Merci la bouillabaisse. Et merci, c'était la grande finale Tekken.